Je vois quelques membres et quelques conseillers, et quelques membres du bureau et vice-président, mais aussi je vois quelques membres du personnel du Conseil économique, social et environnemental. Chers amis, nous avons le privilège d'accueillir ce soir Mathieu Ricard et Christophe André. Nous avons dû prévoir une salle juste à côté parce que, en moins de 48 heures, c'était le dépassement de la capacité d'accueil de cette salle. Nous aurons donc un débat, un exposé de Mathieu Ricard, une réaction de Christophe André, puis ensuite un débat avec vous. Puis après, il y aura une dédicace. Je voudrais dire à quel point nous nous sentons en totale convergence avec les sujets abordés par Mathieu Ricard et par Christophe André. Pour mieux les connaître, donc Christophe vient de sortir un livre sur « Se changer, changer le monde ». Claire. Non, mais vous voyez, Claire, qui est quelqu'un de discipliné, a dit « Il faut que vous soyez au milieu, c'est les hiérarchies, etc. » C'est normal. Et Christophe m'a dit « Au nom de l'altruisme, Jean-Paul, tu devrais laisser ta place. » Donc, j'ai commencé à mettre en application, et Mathieu m'a dit « Moi, vous me mettez partout, ça me va bien, etc. » Et donc, je lui ai dit « C'est parfait. » Donc, on a commencé, et si on finissait par ne pas mettre un terme et une limite à notre altruisme, on était incapable de savoir sur quelle place nous allions nous retrouver. Donc, on a fini par décider. Voilà. Et donc, Christophe est né à Montpellier d'un père marin, d'une mère institutrice. Très tôt, il s'investit dans l'œuvre de Freud, il devient psychiatre. Il travaille à Sainte-Anne, pour la psychothérapie comportementale et cognitive. C'est quelqu'un qui est très spécialiste dans les troubles émotionnels anxieux et dépressifs. Et il a une lecture de la société qui est tout à fait pertinente, en tout cas qui, moi, m'interpelle. Il dit « la société est psychotique ». Elle contamine nos âmes. Et lorsque l'obsession du bien devient un but, eh bien, cela pose des problèmes et on ne peut pas être heureux dans une société très matérialiste. Et nous avons absolument besoin de retrouver le sens du partage, de la gratuité et du lien. Et en plus, il dit, cet environnement permanent d'angoisse médiatisé crée une charge d'angoisse qui se reporte sur nous-mêmes. Et il a cette formule tout à fait extraordinaire, sur laquelle probablement Mathieu reviendra, ce n'est pas le bonheur qui rend égoïste, c'est la souffrance. Mathieu, vous le connaissez évidemment, mais ce qui est important, au-delà de l'homme public qu'il est, c'est l'homme de réflexion et d'interpellation qu'il est. Nous sommes d'autant plus sensibles à le recevoir que ma thèse, mais qui est partagée par un certain nombre de conseillers, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans une société extrêmement dangereuse, car pour la première fois il y a un décrochage entre la performance économique et la performance sociale, et c'est dur d'être pauvre dans un pays de plus en plus riche. C'est dur d'être diplômé, sous-payé, surdiplômé. Et quand une société est déboussolée et qu'elle a l'impression que ses dirigeants ne savent pas bien où elle est, les sentiments deviennent des ressentiments. Et nous voyons bien que ce qui faisait l'amour du village, l'amour des autres, dans nos sociétés rurales, quelquefois avec des pénuries, des manques de besoins presque naturel, alimentaire, dans cette société de consommation, voire d'abondance, voire de déferlement d'envie télévisée, publicitaire, nous voyons bien que les regards que nous portent les uns et les autres sont des regards soit de jalousie, soit de tension, soit d'augmentation de la violence dans les rapports humains. Il y a donc une véritable interrogation sur est-ce que ce sont nous qui nourrissons cette violence ou est-ce que l'individu, par nature, est violent, est-ce que j'avais appelé à l'époque en tant que président de l'Association des maires de France, est-ce que nous ne sommes pas rentrés dans un racisme d'assiette qui fait que quand j'ai peur d'avoir moins, j'ai moins envie de partager. Et revenant
d'une conférence au Maroc, j'avais été très frappé par la phrase d'un Marocain qui disait « Chez nous, il y a de la pauvreté, mais il n'y a pas de misère. » Et chez nous, nous voyons bien que malheureusement, les deux existent. Et donc, ma thèse, c'est que nous ne sommes pas en crise, nous sommes en métamorphose, et que nous avons besoin non seulement d'un choc de compétitivité, mais d'un choc culturel. Et donc, il est important d'avoir des hommes et des femmes penseurs, comme Mathieu, comme Christophe, pour nous interpeller et nous aider à regarder de façon différente. Si nous sommes en train de nous interroger, si nos réponses sont de moins en moins efficaces, la vraie question, ce n'est pas la qualité ou la non-qualité des réponses, c'est peut-être parce que nous sommes passés à côté des bonnes questions. Et que peut-être nous devrons nous réinterroger pour nous reposer les bonnes questions. La seconde, c'est qu'on voit bien que la société numérique est en train de renverser complètement le rapport du collectif et de l'individu. Or, l'homme est un outil grégaire, l'homme économique et mondial, l'homme social et local. Et donc, la mondialisation qui fait exploser les outils de socialisation, la famille, le travail, le village, pose la question qu'Alain Touraine est en train de vous poser, cher Mathieu, est-ce que, après cette société post-industrielle, nous sommes rentrés dans une société post-sociale ? Et est-ce que le XXe siècle, qui était basé sur la différence des races et qui nous a amené les nationalismes, est-ce que le XXIe siècle est en train de voir apparaître la différence de croyance ou de religion, ne risque pas de nous amener le populisme ? Et comme nous sommes dans une croissance faible, ce que je crois durablement faible, nous allons devoir nous reposer le regard que nous avons sur la pauvreté, sur l'activité et sur les biens non matériels. Et une des questions à laquelle il est important que vous nous aidiez à y répondre, l'un et l'autre, c'est est-ce qu'avec moins de croissance, on peut être plus heureux ? Est-ce qu'on peut passer d'une société de la performance à la société de l'épanouissement, de la société de l'acquisition à la société du partage, de la société du bien à la société du lien ? Et pour ne pas trop allonger mon propos, Mathieu, en étant peut-être un peu provocateur, l'homme est-il un loup pour l'homme ? Ou partagez-vous l'avis contraire ? Le monde a-t-il le droit de se suicider ? Et est-ce que le chacun pour soi est une évolution inéluctable ? Nous avons un certain nombre de doutes, un certain nombre d'interrogations, et c'est bien que vous puissiez, cher Mathieu, nous aider à tenter d'y répondre. Parce que votre plaidoyer pour l'altruisme, est-ce que c'est un plaidoyer qui a pour but de nous culpabiliser et d'interpeller nos consciences, ou est-ce qu'au contraire, c'est un chemin qu'il nous faut emprunter et qu'il est possible d'emprunter pour retrouver le bonheur de vivre ensemble ? Cher Mathieu, merci. Vous avez la parole. Avec plaidoyer pour l'altruisme, tout à l'heure, qui vous pourrait être à la sortie, à la table, aussi pour la dédicace. Merci. Donc, cher Jean-Paul, j'ai la chance de vivre dans l'Himalaya, sinon je souffrirais un peu du mal d'altitude, de cette chair impressionnante. Effectivement, je ne sais pas si nous avons les images, on peut passer aux images de la présentation. Nous sommes dans une, voilà, nous sommes un peu dans cette situation. Vous voyez cet homme qui est sur les bords de chute du Zambèze, je crois, qui est là tout à fait brave et pas trop assez serein. Mais imaginez qu'il marche dans l'obscurité, en s'approchant des chutes, il y a un peu de brume, il entend le bruit, il sait qu'à un moment donné, il vaut mieux ralentir. La zone de sécurité est dépassée parce qu'un pas de plus peut nous mener à une situation irréversible. Ne sommes-nous pas dans une situation de ce type ? Alors, on parle des crises, bien sûr, et il y a des crises de toutes sortes. Nous avons des crises personnelles, on parle d'une vie trépidante, le stress, qui ne se plaint pas de certaines conditions de vie au travail, dans la société, ce malaise dont on parle, le fait que l'âge moyen de la dépression soit maintenant passé de 27 ans à 16 ans, c'était quand même assez époustouflant. Il y a bien sûr une... À moyen terme, nous avons l'aspiration, tout à chacun, de s'épanouir dans l'existence, le temps d'une famille, d'une génération. Et puis, il y a un défi tout à fait nouveau
qui symbolise parfaitement cet homme au bord du précipice. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les activités humaines ont un impact majeur sur l'avenir de la planète, de la biosphère, de l'espèce humaine. Auparavant, la Terre avait suffisamment de résilience pour guérir ses plaies. Vous savez, il y a 12 000 ans, il y avait entre 1 et 3 millions d'êtres humains sur Terre. Il ne faisait pas beaucoup de dégâts. Ensuite, l'agriculture est venue. Mais il y a une grande accélération qui s'est produite, même pas seulement la révolution industrielle, mais vers les années 50. Et vous allez voir pourquoi. Donc ça, c'est un défi nouveau auquel nous ne sommes pas préparés, ni intellectuellement, ni émotionnellement. Parce que l'évolution nous a équipés pour réagir très vite à des situations d'urgence. Si on vous dit, ce qui est relativement peu probable, qu'un rhinocéros va dévaler les escaliers dans l'amphithéâtre du CECE, malgré tout, ça suscitera un certain élément de panique. Si on vous dit qu'il y a un rhinocéros qui va arriver dans 25 ans, vous me direz, mais alors, on verra bien. Donc, nous ne sommes pas. Le futur ne fait pas mal, du moins pas encore. Donc, quelle est la situation, justement, vis-à-vis de ce défi nouveau, avant de venir au défi de société et au défi individuel? Eh bien, la situation est la suivante. Tout d'abord, nous avons vécu pendant. Il y a eu ces périodes depuis l'apparition des humains sur Terre. Vous voyez, ici, il y a des grandes variations climatiques qui ont permis à les migrations humaines, mais... voilà, merci. Donc, l'espèce humaine... C'est... Je vais voir si ça marche. Oui, je vais essayer de me rapprocher. Disons, jusqu'à il y a 12 000 ans, comme je vous disais, il y avait un maximum d'un million d'êtres humains. Et puis, il y a une période extrêmement stable depuis 12 000 ans, où le climat était très stable. C'est le début de l'agriculture, c'est ce qui a permis l'essor des civilisations et l'expansion de la population. Donc, auparavant, il y avait des glaciations, des réchauffements, c'était trop difficile comme environnement. Alors maintenant, des scientifiques ont défini ce qu'ils appellent des limites planétaires. Ils ont défini une dizaine de limites, et alors ça, cette ligne-là, c'est l'équivalent du bord de la chute du Zambèze. Mais vis-à-vis de l'avenir de notre planète. Alors, il y a un certain nombre de facteurs. Avec votre permission, je vais me lever, ça sera plus simple. Donc, vous avez un certain nombre de facteurs. Je ne vais pas les voir en détail, mais vous pouvez voir qu'ils ont tous à voir avec différents éléments de notre environnement, par exemple, l'appauvrissement de la biodiversité, les changements climatiques, etc. Et chacun de ces facteurs sont souvent reliés. Il peut y avoir un effet domino. Et on sait que dans cet espace, eh bien, l'humanité peut continuer à prospérer comme elle l'a fait depuis 12 000 ans. C'est assez clair. Donc en 1900, ça correspond à ça. Certains n'étaient pas mesurés, mais on peut extrapoler et voir qu'il n'y avait vraiment pas de danger. En 1950, au début de cette grande accélération, les choses commencent à changer. L'exploitation des sols, c'est-à-dire en fait pour la déforestation des forêts tropicales, etc., etc., ça commence à s'approcher d'une zone qui est celle d'insécurité. Le flux d'azote, ça c'est les pesticides, les engrais qui créent des zones mortes dans les océans. Et le changement climatique, bien sûr, on voyait déjà apparaître ce réchauffement. Alors je vous demande d'imaginer, juste quelques secondes, l'image suivante, 2010. Retenez votre souffle, nous y voilà. Vous voyez, c'est vraiment, on a dépassé dans beaucoup de cas les limites de la prudence. Et ce n'est pas anodin. Les gens qui vous disent, oui, mais vous saviez, il y avait des gens qui avaient prévu, vu le nombre d'augmentation des chevaux dans Paris, qu'en 1930, il y aurait 50 cm de crottin de cheval dans les rues de Paris. Ça ne s'est pas produit, on s'arrangera. Oui, sauf que si en 2050, 30% de toutes les espèces, c'est pas seulement les tigres de Sibérie et les rhinocéros unicornes. 30% de toutes les espèces ont disparu, les insectes, les batraciens, etc. C'est pas avec une petite banque d'ADN que vous allez les réintroduire dans un milieu qui est de toute façon dévasté. Ce sont des changements irréversibles, ce n'est plus du tout la même chose. Les bouleversements climatiques, si vous avez 200 millions de réfugiés climatiques, oui, bon, peut-être qu'on s'adaptera, mais à quel prix? Au prix de combien de souffrances? Donc là, c'est un problème réel. Moi, j'ai la chance d'habiter dans l'Himalaya. Il y a 2000 glaciers dans l'Himalaya. C'est le troisième pôle. Et tous ces glaciers sont en fonte.
Il y a, un grand nombre de lacs de glaciers. Un lac ici au Bhoutan, la moraine naturelle faisait 70 mètres d'épaisseur en 2000, elle en fait 30 maintenant, 10 ans plus tard. Il y a 50 millions de mètres cubes d'eau qui vont d'abord inonder des régions et ensuite ça, il n'y aura plus d'eau. Donc vous voyez, ces changements-là, ils sont nombreux. Un glacier en 1975 en Suisse et en 2004, la différence est colossale. Alors cette grande accélération, je ne vous montre que quelques diapositives, mais elle s'applique quasiment à tout. La concentration de CO2 dans l'atmosphère, l'utilisation de l'eau douce, vous avez la perte des forêts tropicales. On peut envisager qu'en 2050, au rythme actuel, la plupart des forêts tropicales aient disparu si on ne ralentit pas ce système. La perte de la biodiversité, je vous l'ai dit, l'exploitation des pêches. J'ai rencontré il y a quelques jours quelqu'un qui avait traversé 17 fois l'Atlantique sur un bateau à voile. Il me disait au début, on mettait la ligne à pêche, 2 minutes, et on avait notre repas. Il dit récemment, il l'a mis pendant 11 jours, il n'a pas pêché un seul poisson. Donc si 90% des espèces ont disparu, ben voilà, c'est comme ça, des populations. Il y a une loi, je crois, qui va être débattue au Parlement sur la pêche au chalut dans les grands fonds. C'est invraisemblable. L'association Bloom essaie de faire quelque chose. Si vous voulez, c'est des biotopes qui mettent des dizaines de milliers d'années à se former lentement, qui sont très fragiles. Et on arrive là avec des chaluts, c'est comme si on passait au bulldozer à la cathédrale de Chartres et Notre-Dame en 5 minutes. C'est des dommages irréparables. Tout ça pour faire quelques croquettes de poisson, et même pas dans les pays pauvres. Et pour des buts purement commerciaux. Donc il y a tellement de choses de genre là. L'homme des véhicules à moteur. Si aujourd'hui, les Chinois avaient autant de voitures par tête d'habitant qu'aux États-Unis, il faudrait toute la production de pétrole en une année pour remplir ces voitures. Donc, ce n'est pas possible. Comme disait Herman Daly, qui est professeur à Harvard, il n'y a que 2 types de personnes qui pensent une croissance illimitée est possible, c'est les fous et les économistes. Bon, bah, pas tous, heureusement. Ceci dit, c'est impossible. Il faudrait 3, selon les estimations, 3 ou 5 planètes, de toute façon, beaucoup plus qu'une, ça c'est clair. Hein, donc, ce n'est pas possible. Une décroissance, c'est difficile parce que qui va en souffrir, tout ce qui, le chômage va augmenter, etc. Donc nous allons réfléchir à un autre modèle. Enfin, d'exposer, je propose le concept d'harmonie durable, je vais y revenir. Donc diminution de la couche d'ozone, etc., etc. Donc nous sommes entrés dans l'anthropocène, c'est-à-dire l'âge où l'être humain a un impact majeur. Donc ça, si vous voulez, c'est pas seulement une question globale, c'est d'air géologique, d'économie, de politique, c'est une question d'altruisme et d'égoïsme, tout simplement. Qu'est-ce que c'est le manque de considération d'autrui? Bon, je l'ai dit plusieurs fois, mais je suis marxiste, mais la tendance Groucho, pas Karl. Et Groucho a dit, très justement, pourquoi me préoccuperais-je des générations à venir? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi? Alors c'était une bonne boutade, sauf que Stephen Forbes, qui n'est pas considéré généralement comme un comique, a dit la même chose, très sérieusement cette fois-ci. Je l'ai entendu sur Fox News dire littéralement, on lui parlait de la montée des océans, qui monte de façon linéaire et inéluctable, et il disait, « Oh, je trouve absurde de changer nos comportements maintenant pour quelque chose qui se passera dans 100 ans. » L'absurdité, elle n'est pas où il pensait. Donc ça, c'est de l'égoïsme institutionnalisé. Après moi, le déluge, en quelque sorte. Ça n'a guère de sens, parce que aussi, il y a des gens qui vous disent « Oui, mais on ne sait pas ce que vont souhaiter les générations à venir. » Donc on ne peut pas imaginer à leur place. Une chose, c'est sûr, si on leur donne des océans stériles et une atmosphère polluée, ils ne sont pas très contents, on peut en gros parier là-dessus. Donc vous avez d'autres facteurs, comme certains qui pourraient être remédiés assez facilement. Les émissions de méthane sont 20 fois plus puissantes pour le réchauffement, les gaz d'effet de serre que le CO2. Ils peuvent se dissiper en 20 ans au lieu de 100 ans pour le CO2. D'où viennent-ils? De l'élevage industriel. Le méthane et l'élevage industriel est la 2e cause de réchauffement global. Ils contribuent à 18% du réchauffement global, c'est un rapport de la FAO, après les bâtiments, avant les transports. Tout ça, c'est dû à l'élevage industriel. Alors, en plus, il y a un problème climatique, il y a un problème d'éthique vis-à-vis de l'éthique nord-sud, à savoir que pour faire, il faut 10 kilos de protéines végétales qui viennent bien sûr des pays qui n'ont pas assez à manger généralement, pour faire 1 kilo de viande qui est consommée dans les pays développés. Donc il y a un problème de ce genre-là.
1,4 milliard de personnes pourraient être nourries avec les 775 millions de tonnes de soja et de maïs qui sont destinées à l'élevage industriel. Et souvent, ils viennent d'Éthiopie, d'Amérique du Sud, etc. Alors, si vous pensez uniquement à l'homme, merci pour les autres. C'est même pas bon pour l'homme, puisque la consommation quotidienne de viande, une étude épidémiologique, c'est toujours un mot difficile à prononcer quand on est dyslexique comme moi, faite sur 20 ans et 100 000 personnes, a montré donc ces risques accrus de mortalité cardiovasculaire et de cancer. Donc en gros, c'est bon pour personne. C'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour, en France, 1,5 milliard d'animaux qu'on consomme, qui sont des machines à faire des saucisses, c'est pas bon pour la pauvreté dans le monde, c'est pas bon pour la santé humaine, et ça serait assez facile, donc ça a été recommandé par les Nations Unies comme étant une des choses les plus faciles pour du moins limiter le réchauffement global, de consommer moins de viande. Alors vous voyez la consommation, 120 kilos par an par habitant aux États-Unis, et seulement 4 en Inde, c'est clair, plus le PIB augmente, plus on consomme. Alors tout ça, quels seraient, en gros, les remèdes? Alors, la solution, ce n'est pas simplement des bons sentiments. Et pourquoi, me semble-t-il, j'ai cette conviction profonde, le fil d'Ariane conceptuel et pragmatique qui permet de faire face aux défis du moment, au point de vue économique, sur le moyen terme, la qualité de vie, et sur le long terme, qui est un peu moins long maintenant, de l'environnement, c'est d'avoir simplement davantage de considération pour autrui. Alors ça s'exprime sur le plan personnel, vous voyez cet homme, à 5 ans il a perdu ses deux jambes, et maintenant depuis 7 ans il s'occupe de ses deux parents grabataires. Donc c'est la solidarité, c'est le soin, c'est l'attention, c'est la sollicitude, c'est l'amour de l'autre, c'est le bon cœur, donnez-lui tous les noms que vous souhaitez. C'est aussi la coopération. Dans les sociétés primitives, ce sont des coopérations totales et inconditionnelles. Celui qui n'est pas coopérateur, il ne survivait pas. Cette collaboration qu'on voit encore, ça c'est aux États-Unis, mais il y a aussi, moi j'ai vu ça au Bhoutan très souvent, quand on construit un toit, tout le village y vient, et puis l'année prochaine, ils viendront aider le voisin, et c'est normal, et c'est comme ça que ça marche. Ça ne se limite pas aux êtres humains. Et donc, cette coopération, elle est essentielle. Les récents travaux de fond sur l'évolution mènent à l'idée que la coopération a été bien plus créative dans l'évolution pour atteindre des niveaux supérieurs de complexité que la compétition. Vous pouvez lire le livre de Martin Novak, un professeur d'évolution à Harvard, que c'est un grand mathématicien. Il dit « Nous sommes des super coopérateurs depuis les organismes monocellulaires qui se sont assemblés, qui coopèrent d'une certaine façon jusqu'aux animaux sociaux, etc. » Et donc, la lutte pour la vie, vous savez, ce n'est même pas un terme de Darwin. Herbert Spencer, qu'on appelait le bulldog de Darwin, pas pour rien d'ailleurs, il y a la lutte pour la vie ensemble. Nous luttons ensemble pour survivre, pas forcément les uns contre les autres. Donc voilà, il y a cette coopération. Nous devons passer à un stade supérieur de coopération à notre époque. Le lien social. J'étais encore il y a quelques jours au Global Economic Symposium, les moines bouddhistes arrivent partout, s'amusent dans tous les coins, et il y avait justement les gens qui s'occupent des indices du bien-être, de la bonne vie dans l'OCDE. Parmi tous les critères, les revenus viennent en 13e position, ceux qui, aux yeux des citoyens, contribuent à leur bien-être. Les premiers, c'est le lien social, la qualité du lien social. L'amitié, savoir vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez vous confier, ça, c'est ce genre de choses qui a nettement plus d'importance. Ce n'est pas encore une fois limité aux humains. Et vous avez aussi ces deux centenaires japonaises dans une île où les gens sont ensemble de la naissance à la mort. Les grands-mères viennent à la sortie de l'école, qu'elles aient ou non des petits-enfants, elles se mettent à 50 mètres, les enfants courent dans leurs bras, elles leur donnent des bonbons, mais elles ont ce contact permanent, ils vivent et naissent et meurent ensemble. Et on attribue cette longévité à la qualité du lien social. Des études ont été faites là-dessus, un lien social fort et riche, c'est-à-dire diversifié, et encore une fois un vrai lien social, meilleure santé mentale, plus grande longévité, un meilleur système immunitaire et puis moins de maladies cardiaques, d'addiction et de démence sénile. Alors par exemple, puisque les personnes âgées souvent souffrent de solitude, que les orphelins manquent de soins,
Au Danemark, on a essayé, ça a été fait aussi au Népal, de mettre ensemble des grands-mères esselées et des orphelins qui ont besoin l'un comme l'autre. Donc il y a forcément des moyens de renforcer ce lien social. Alors, on peut douter de l'héroïsme, disons de l'altruisme. Il y a des gens qui ont dit, oui, tout ça c'est très joli, et il y a une phrase fameuse, parmi les partisans de l'égoïsme universel, ils disent, gratter à la surface d'un altruisme, c'est l'égoïsme qui va saigner. Si vous regardez bien, vous trouverez toujours une motivation égoïste. Ça a flotté dans l'air du temps pendant assez longtemps, depuis Orbez, et beaucoup de psychologues au début du XXe siècle, et effectivement, c'est vrai. Il y a des simulacres de l'altruisme. On peut parfois prétendre être altruiste tout en étant intéressé. On peut faire ça pour se faire mousser. On peut faire ça parce que, soi-disant, on se sent bien, par rapport à sa propre l'image qu'on se fait de soi-même, etc. Il fallait donc, pour quand même montrer que l'altruisme véritable existe, pour certains c'est évident, mais il fallait enfoncer des portes ouvertes scientifiquement. Donc des psychologues se sont attelés à la tâche, je vous passe un peu les détails, mais au fil de 20 ans d'études et d'une trentaine de stratagèmes ingénieux, ont montré que oui, quelles que soient les circonstances, dans des conditions très particulières, on pouvait montrer que les gens étaient altruistes, et que toutes les hypothèses pour essayer d'expliquer ça par un comportement égoïste n'expliquaient pas ces situations. Alors les gens qui vous disent, oui, mais vous savez, les gens ils vous disent tous, je me suis senti si bien en aidant autrui, alors regardez cette personne ou d'autres qui se sont jetés sur les rames d'un métro pour sortir quelqu'un, ils ne disent pas que je vais me sentir bien quand ça sera fini. Et puis vous avez aussi les personnes comme le pasteur André Trogmé et sa femme Magda, qui ont sauvé des milliers de personnes juives avec tous les villageois de Chambon-sur-Lignon pendant la guerre. Ce n'était pas toujours joyeux, ils ont fait ça sur le long terme, ils craignaient leur vie et celle de leur famille était en danger, pourtant ils l'ont fait, ce serait difficile de trouver des motifs égoïstes à cela. Voilà aussi un sauveteur grec ici qui retrouve les personnes qu'il avait sauvées pendant la guerre. Donc tout ça, l'évolution nous a équipés avec cette faculté de prendre soin de l'autre. Ça vient principalement de l'instinct parental, l'instinct maternel. C'est quelque chose de biologique, on n'a pas besoin de le cultiver. Bien sûr, l'instinct paternel également. Et puis ça peut s'étendre à d'autres espèces. Vous voyez ces petits porcelets dans le zoo de Calcutta qui ont été adoptés par une tigresse. Donc ça peut même aller au-delà de la distinction entre espèces. Ceci dit, ça reste limité. Généralement, c'est quand même le cercle de ceux qui nous sont proches. Comment étendre cet altruisme à d'autres? Là, ça demande un petit effort, un peu plus cognitif. Se dire, voilà, nous sommes tous interdépendants. Moi-même, je ne souhaite pas souffrir. Et pourquoi pas? Il suffit de me transporter dans l'esprit d'autrui pour voir qu'il ne souhaite pas souffrir non plus. Donc on peut, peu à peu, s'entraîner à étendre le cercle de notre considération pour autrui. Et pour cela, il y a des obstacles. L'individualisme, aux États-Unis, dans le Nord, Amérique du Nord, il y a une véritable épidémie du narcissisme qui a multiplié par 5 depuis une vingtaine d'années. Pour l'instant, l'Europe occidentale a été relativement épargnée, mais peut-être pas pour longtemps. Alors l'individualisme, il y en a du bon. C'est celui qui a amené au respect des droits de l'homme, que l'individu n'est pas un simple instrument d'une société collectiviste comme dans les pays totalitaires. Mais quand ça devient du moi du matin au soir, et chacun pour soi, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement délétère dans la société. Il y a aussi les défauts d'empathie, la détresse empathique. C'est un problème qui touche beaucoup, ça c'est l'épidémie du narcissisme aux États-Unis. La détresse empathique, c'est aussi le fait que si on est constamment en résonance avec quelqu'un qui souffre, eh bien vous souffrez de la souffrance de l'autre, et c'est peut-être trop demandé. Par exemple, ceux qui sont dans le monde du soin, 60%, en tout cas c'est une étude qui a été faite en Amérique du Nord, 60% des infirmières, des médecins, des aides-soignants ont souffert du burn-out, de l'épuisement émotionnel dans leur vie. Parce qu'ils résonnent encore et encore avec les gens qui souffrent. Donc on leur dit, oui, il faut apprendre à vous distancer un peu émotionnellement, pour vous protéger, mais ce n'est pas forcément la bonne solution. Donc brièvement, depuis un an, il y a une étude qui est en cours maintenant, financée par la Commission européenne, qui se tient à l'Institut Max Planck de Leipzig, conduit par Tanya Singer, qui est une spécialiste mondiale de l'empathie, qui entraîne 400 sujets à l'empathie, à l'amour altruiste, à la compassion, à distinguer un peu tout ça. Et les résultats préliminaires montrent que l'antidote à la détresse empathique, ce n'est pas de se distancer émotionnellement, mais d'avoir davantage de chaleur humaine, de bon cœur. C'est comme un baume qui élimine les effets d'anxiété, de détresse, de malaise face à la souffrance d'autrui.
Moi-même, j'ai participé à ces expériences, et il est vrai que si l'on se contente uniquement de raisonner avec la souffrance des autres, c'est un peu comme une pompe électrique sans eau, elle brûle. Et par contre, quand on apporte cette grande chaleur humaine, eh bien, ça pallie aux effets délétères. Donc, vous voyez, beaucoup de choses que l'on peut entraîner, qui ont des répercussions dans le milieu de la santé, dans l'éducation. Alors, deux questions. Puisque le monde étant ce qu'il est, il faut malgré tout que l'on augmente, qu'on passe à un nouveau niveau de coopération, de considération d'autrui. Pour ça, il y a deux choses qui doivent changer, nous-mêmes, bien sûr, et la culture, les sociétés. Alors, est-ce que d'abord nous pouvons changer nous-mêmes? Nous savons que nous apprenons à lire, à écrire, que nous ne courrons pas un marathon sans nous entraîner, mais peut-on de même, en ce qui concerne ces qualités humaines fondamentales, peut-on passer d'un état un peu dormant et peut-on arriver à un point optimal de notre faculté de prendre soin d'autrui? C'est ce que montrent les études en neurosciences qui ont été conduites jusqu'à maintenant avec des méditants bouddhistes, hommes et femmes, moines et nonnes de tous âges. Et les études ont montré, aussi bien en utilisant l'électroencéphalogramme que les méthodes d'imagerie cérébrale, que oui, effectivement, ça c'est la première fois que j'ai fait ça au laboratoire de Richard Davidson aux États-Unis, 2h30 dans un IRM, donc voilà, très content d'avoir survécu à l'épreuve. Et un étudiant de Richard Davidson est maintenant à Lyon, à l'INSERM, Antoine Lutz, et poursuit ses recherches. Donc les résultats très vite ont été spectaculaires, à savoir, vous voyez ici en bas, une courbe de personnes novices qui essaient d'engendrer la compassion dans leur esprit. Parfois, on leur demande d'être restés au repos, c'est cette ligne rose. Parfois, en méditation sur l'amour altruiste, il ne se passe rien, c'est des novices, bon, c'est normal. Au-dessus, vous voyez des méditants expérimentés qui ont fait entre 10 000 et 50 000 heures de méditation. Au repos, il ne se passe rien. Quand ils s'engagent sur cette méditation sur l'altruisme, il y a une augmentation considérable de l'activité cérébrale dans les fréquences gamma, dans des aires du cerveau liées à l'empathie, à sentiment d'affiliation et aux émotions positives. Vous faites ça en imagerie cérébrale. Vous voyez ici, les méditants au repos, il ne se passe rien. Là, en méditation, les zones spécifiques sont activées. Chez les novices, on en fait une semaine, rien au repos, rien en méditation, c'est normal, ils ne sont pas entraînés. Alors, vous me dire, c'est très joli, 50 000 heures de méditation, c'est bon, c'est pas pour nous. Effectivement, de ce fait, 8 semaines simplement, et déjà on voit une augmentation de la densité des neurones dans l'hippocampe, qui est une aire qui assimile la nouveauté, c'est-à-dire un entraînement, par rapport à des gens qui ne se sont pas entraînés. Et ça, c'est un résultat tout à fait remarquable. D'ailleurs, 2 semaines, c'est quand même pas beaucoup, 20 minutes par jour, montrent une augmentation significative du comportement prosocial, c'est-à-dire c'est un vrai comportement qui est mesuré chez les personnes qui se sont livrées à 20 minutes par jour de méditation sur la compassion, qui étaient parfaitement débutants par rapport à une autre méthode psychologique. Et non seulement ça, en 2 semaines, une aire du cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui a à voir avec l'agressivité et la peur, était déjà moins dense physiquement en 2 semaines. C'est le début d'un processus, mais ça montre que nous changeons au point de vue cérébral, fonctionnellement et structurellement. Donc c'est un bon signe, on peut changer individuellement. Alors, où, quand faut-il commencer? Voilà des enfants de 4 à 5 ans dans une école maternelle à Madison dans le Wisconsin. Un programme très simple de 10 semaines. 5 semaines sur la pleine conscience, comment gérer, comprendre mieux ses émotions, la respiration. Vous voyez, il y a ce petit galet sur la poitrine et ils sentent leur respiration qui va et qui vient. S'ils sont tristes ou joyeux, on leur demande de prendre conscience de leurs émotions. Pendant les 5 autres semaines, alors c'est juste 30 minutes, 3 fois par semaine, avec des instructeurs. Les enfants adorent ça, ils disent pourquoi vous ne venez pas tous les jours. Et donc, on leur apprend, par exemple, des graines, la graine de l'amitié. Alors, ils plantent des graines qui vont pousser, et puis ils la regardent tous les jours, et on leur dit, voyez, il faut prendre soin de ces graines, de même, il faut prendre soin de l'amitié. Et puis, quand la graine a poussé et germé, eh bien, ils la donnent à un ami, et puis eux reçoivent celle de l'autre. Des gestes de gratitude, si un enfant pleure, on essaie de comprendre pourquoi, quels sont ses sentiments, donc encourager à la gratitude, à la coopération, etc. Bon, vous dire, bon, c'est très sympathique, avec des enfants de maternelle, ben, ça ne va pas faire grand-chose. Eh bien, si, ça fait beaucoup de choses. D'abord, quand les professeurs évaluent le comportement prosocial des enfants, il est nettement amélioré, moins de conflits, plus d'entraide, on mesure les comportements de façon scientifique.
Et puis vient le test absolument qui ne pardonne pas et qui ne ment pas, c'est le test des autocollants. Ah, ça c'est très simple. Avant l'intervention, vous déterminez qui est dans la classe la meilleure amie de tel élève et puis sa moins bonne amie. Et vous avez quatre enveloppes, l'une avec cette meilleure amie, l'autre la moins bonne, la troisième un enfant inconnu et la quatrième un enfant malade. Et on leur dit, voilà, vous avez 50 autocollants, vous les donnez, vous les mettez dans une enveloppe, celle de votre choix. Avant l'intervention, vous l'imaginez, ils donnent tous les autocollants à leur meilleure copine. On s'est dit, bon, 10 semaines, c'est très simple, c'est très élémentaire, y aura-t-il un changement? Vous savez, pour commencer à vous dire, la discrimination entre mon groupe et l'autre groupe est une des plus puissantes au monde. J'ai lu hier dans l'avion qu'il y avait 1 million... de brimades sur Internet parmi les jeunes en Angleterre par jour. Il y a des choses très cruelles qui se font. Donc la discrimination, mon groupe, votre groupe, il n'y a qu'à voir les fans des clubs de foot, ils ne sont pas tendres les uns avec les autres. Donc c'est très difficile à briser. C'est aussi les races, les religions, les ethnies, etc. Eh bien, ici, au bout de ne serait-ce que ces 8 semaines, ce n'est pas un simple effet, c'est une totale... Il n'y a plus de différence entre ce qu'ils donnent à leur meilleur ami et à leur moins bon ami. Vous avez gommé en quelques semaines une intervention facile, peu coûteuse, que les enfants apprécient beaucoup. Vous avez gommé cette discrimination qui est une chose très puissante chez l'être humain. Donc, j'étais avec le Dalai Lama au moment où ces résultats ont été expliqués à Madison. Il disait, mais voilà, il faut faire 10 écoles, 100 écoles, 1000 écoles, les Nations Unies, le monde entier. Alors maintenant, il y a la ville de Louisville, dans le Kentucky, qui a dit, essayez, on vous donne 10 000 enfants, vous pouvez augmenter l'échelle de cette expérimentation. Purement séculière, évidemment, complètement laïque, avec des méthodes inspirées de beaucoup de choses, mais entièrement fondées là-dessus. Donc vous voyez, c'est une chose très simple. Donc sur le plan de l'individu, il n'y a pas de doute que nous pouvons changer. Est-ce qu'on peut changer au niveau de la société? Alors, l'individu, évidemment, n'est pas isolé. L'individu naît au sein d'une société, est influencé par cette société, et puis à son tour, il va influencer la culture par les idées, par ses comportements, par il y a ce qu'on appelle une évolution des cultures. Par chance, l'évolution des cultures est plus rapide que celle des gènes. Pour qu'il y ait un gène altruiste qui se propage dans l'humanité tout entière, il faudrait peut-être 50 000 ans, ça serait un peu tard pour l'environnement. Mais les cultures changent. Regardez, rien que l'attitude vis-à-vis de l'environnement. Quand j'avais 16 ans, vous lisiez Rachel Carson, Printemps silencieux, j'étais ornithologiste, ça n'intéressait personne. Les écolos, c'était en gros des excentriques. Vous voyez l'attitude vis-à-vis de la guerre. Au début du siècle, du 20e siècle, la guerre, c'était le creuset des civilisations, noble, héroïque, formidable, etc. Maintenant, tout le monde, en gros, pense que c'est une abomination. Ça a considérablement changé. Donc, un groupe d'altruistes qui coopèrent, qui ont un but commun, ont un avantage évolutif certain sur un groupe d'égocentristes forcenés qui se tirent dans les pattes du matin au soir. Donc c'est clair que la coopération a un avantage. On le voit même dans le monde de l'entreprise. Les études qui ont été faites à ce sujet montrent qu'il faut la situation idéale est une coopération inconditionnelle au sein de l'entreprise. Transparence des informations, minimum de difficultés de communication entre les différents niveaux hiérarchiques. Le pire, c'est Enron qui demandait à tous ses employés chaque mois de noter tous ceux qu'ils connaissaient de 1 à 5. Et ceux qui avaient plus de 5 fois 1, ils étaient éliminés, renvoyés. Et puis le patron de Goldman Sachs avait son ascenseur privé pour monter à son bureau afin de ne jamais rencontrer un employé de toute sa carrière. Donc ça, c'est évidemment très délétère. Et on montre que cet esprit d'équipe, par exemple de donner des bonus à une équipe et non pas à des individus, tout ça favorise un esprit d'équipe, une atmosphère, je dirais, qui est fertile. Et les études ont montré que ces entreprises prospèrent mieux. Donc tout ça, il faut bien sûr de la compétition entre entreprises. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre pour que les consommateurs n'en pâtissent pas. Mais l'apprentissage coopératif dans les écoles est bien plus efficace que l'apprentissage compétitif. Si vous mettez des enfants par groupe de 5 ou 6 et que vous mettez des bons élèves avec des moins bons, des garçons et des filles et qu'ils étudient ensemble, tout a montré qu'ils ont des meilleurs résultats scolaires et que surtout les qualités humaines se développent beaucoup mieux, les relations avec les professeurs, etc. Donc on a tout avantage à suivre ce chemin. Donc c'est possible au niveau des individus,
Et il y a aussi des bonnes nouvelles. Mais sur la violence, on en voit partout. Si vous regardez la télévision comme un Européen moyen, 3h30 par jour, ça fait 2600 meurtres à la fin de l'année. 60% des programmes ont des scènes de violence à raison de 14 par heure. Et chez les enfants, 70%, un peu plus violent encore. Bon, ça fait 40 000 meurtres à 20 ans, c'est beaucoup quand même. Est-ce que c'est la réalité? Ben heureusement, non pas. Ceci dit, ça donne donc une sorte d'image de syndrome du mauvais monde. Les bonnes nouvelles, c'est que contrairement, il y a les Kalachnikovs de Marseille, il y a tout ce que vous voulez. N'empêche que, la bonne nouvelle, la violence n'a cessé de décliner depuis 5 siècles. C'est un fait. À Oxford, en 1350, vous aviez 100 homicides par an pour 100 000 habitants. Maintenant, c'est 0,7. En Europe, alors vous voyez, c'est une échelle logarithmique. 100, 10, 1. Vous avez 100 fois moins à 50 fois moins de chances d'être tué en Europe chaque année. Il n'y a que la Sicile qui est au-dessus de 10 à 12. Bon, il y a des raisons pour ça. Et vous prenez tous les chiffres. Vous prenez, par exemple, la violence, la maltraitance des enfants entre 90 et 2010 aux États-Unis. Ça a diminué considérablement. La violence vis-à-vis des femmes, les crimes racistes, il en a. La violence domestique reste la cause principale de violence dans le monde, mais elle diminue. Et donc, la torture au fil des siècles. Donc, tous les indicateurs, et même le nombre moyen de victimes par conflit. Il y a deux banques de données, une à Uppsala en Suède, l'autre aux États-Unis, qui recensent tous les conflits dans le monde. Dès qu'il y a plus de 50 morts, conflits communaux, locaux, guerre civile, guerre entre États, etc. Et vous divisez le nombre de conflits par le nombre de victimes. Vous voyez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'était encore très élevé, 50 à 60 000. Maintenant, c'est presque 1 000. Donc, il y a la Syrie, il y a le Soudan, il y a la guerre Irak-Iran, mais globalement, eh bien, ça diminue. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles. C'est dû à plusieurs facteurs, d'après Steven Pinker, qui a fait un livre de 800 pages sur le sujet. C'est la démocratie. Hein. Il y a très peu de chances que la Belgique entre en guerre avec l'Italie. Vous savez, en 1600, il y avait 5000 entités politiques en Europe. Évidemment, ils passaient leur temps à se taper les uns sur les autres. Sous Napoléon, 250, et maintenant une cinquantaine. Des échanges. Hein. Si vous avez échangé avec quelqu'un, il vaut mieux qu'il soit en vie. Le statut de la femme est un indicateur très important pour la probabilité de conflit et le fait d'être isolé ou d'être en communication avec les autres. Donc tout ça va vers le mieux et c'est une bonne chose en dépit de tout ce qui reste à faire. Donc en gros, croissance ou décroissance. Alors évidemment, du point de vue de l'avenir écologique, il vaudrait mieux qu'on arrête une certaine forme de croissance, qui est l'exploitation illimité des ressources qui conduit à tous ces bouleversements. En même temps, la décroissance dans l'immédiat nuirait principalement aux plus démunis, parce que les prix augmenteraient, etc., etc. Alors, il faut faire une transition. Déjà commencer par ne plus donner 400 milliards de subventions pour maintenir le prix du pétrole à un prix accessible, et seulement 70 milliards pour les énergies renouvelables. C'est un mauvais pari. Alors, comment envisager ça? Bon, on parle de développement durable. Enfin, le développement, ça reste un développement, donc la croissance fait un limite. Alors, j'ai vu, il y a avant-hier, une amie neuroscientifique dans ce symposium économique a fait une très bonne parallèle avec le cerveau. Le cerveau est né avec beaucoup plus de neurones à la naissance qu'à l'âge de 5 ans. Le cerveau élimine les neurones les moins efficaces. Le cerveau gagne en complexité. Les neurones font beaucoup plus de connexions, donc il croît, mais en complexité et non pas en quantité. On pourrait dire qu'on peut croître en qualité, n'est-ce pas? Si nous savons que nous n'allons pas croître de plus d'un ou 2% en Europe, eh bien, puisqu'on le sait déjà, autant essayer de croître en qualité. Qualité de vie, richesse sociale, richesse environnementale. Le pays du Bhoutan, dont on a beaucoup ri pour son bonheur national brut, ce n'est pas simplement bien se sentir maintenant, c'est évaluer la richesse économique, la richesse sociale et la richesse environnementale. Comment font-ils leurs comptes nationaux, et ils ont fait ça au niveau national, pour la richesse sociale? Imaginez, vous vendez du tabac. Bon, ben, ça fait augmenter le PIB. Ensuite, vous envoyez les gens aux hôpitaux parce qu'ils ont des cancers du poumon, ça fait augmenter le PIB. Ensuite, il y a les pompes funèbres, ça fait augmenter le PIB. Ça, c'est très bon pour le PIB. Les Bhoutanais vont compter ça comme un moins dans les comptes de la richesse sociale, qui annihile l'augmentation du PIB. Richesse environnementale, ils ont 65% de couverture végétale naturelle, les forêts, etc. Le Premier ministre, j'ai entendu dire, si on coupe toutes nos forêts, notre PIB va monter au plafond. On se trouve avec un pays dévasté. Donc, ils comptent dans leurs comptes annuels
la forêt sur pied comme une richesse environnementale, et c'est 10 fois leur PIB. Donc voilà, donc on peut imaginer, et maintenant beaucoup d'économistes les ont pris au sérieux, hein, Stiglitz a dit dans Newsweek que ce n'est pas une plaisanterie, il faut vraiment considérer ces trois index, compter les externalités dans le prix des consommations maintenant, il faut y songer. Alors, quel concept pourrait finalement nous aider intellectuellement? C'est un peu, moi je pense qu'une idée comme une harmonie durable. Alors qu'est-ce que ça veut dire une harmonie durable? C'est tout d'abord remédier aux inégalités, à sortir 1,5 milliard de personnes de la pauvreté. C'est aussi cesser cette consommation absurde parmi les plus nantis qui est la cause principale du réchauffement global. J'ai une carte dans le bouquin qui est assez étonnante parce qu'elle montre, vous multipliez la surface des pays avec l'index de leurs émissions de CO2. Évidemment, les États-Unis et l'Europe se gonflent comme des ballons de baudruche, tandis que l'Afrique disparaît de la carte quasiment, parce qu'en gros, les États-Unis émettent 200 fois plus de CO2 que la Zambie et le Qatar, 2500 fois plus que l'Afghanistan. Maintenant, vous voyez le nombre de morts aujourd'hui, hein, c'est pas dans 20 ans, aujourd'hui, dû aux maladies sensibles au réchauffement climatique, aux extrêmes de climat, aux inondations, etc., qui sont attribuables aujourd'hui au changement climatique. Alors là, l'Afrique envahit la planisphère. Les États-Unis, on les voit à peine, comme un petit pays complètement rabougri, parce qu'ils n'en souffrent pas directement. Donc, il y a là un manque d'harmonie durable, c'est-à-dire entre les pays nord-sud, entre les pays les plus précaires et ceux qui sont les plus nantis. Donc, en gros, harmonie durable, c'est donner une vie décente à tout le monde, réduire cette consommation absurde au sommet, donc c'est déjà une harmonie. C'est aussi une harmonie durable parce qu'elle prend en compte le court terme où il faut une prospérité décente pour que tout le monde puisse prospérer et accomplir ses buts dans l'existence, à moyen terme pour mesurer la qualité du bien-être, la satisfaction de vie, parce que si un pays est le plus riche et le plus puissant, tout le monde est misérable, à quoi ça sert? Enfin, malheureux, disons, à quoi ça sert? Et puis, une harmonie vis-à-vis des générations à venir, parce qu'on ne peut pas les ignorer. Donc ça semble un concept qui permet, en tout cas, avec ces index divers, d'envisager une sorte de voie du milieu qui n'est ni décroissance, ni croissance illimitée, et qui permettrait de croître qualitativement, de resserrer ces inégalités qui, à part au Brésil, n'ont cessé d'augmenter dans les pays de l'OCDE. Et donc voilà, donc, ce sont des éléments de solution, mais je crois que l'important que je souhaiterais qu'on peut-être essayer de réfléchir ensemble, c'est tout d'abord que la transformation individuelle est possible, la transformation des cultures est possible, et que l'un avec l'autre, se façonnant mutuellement comme deux lames d'un couteau qui s'aiguisent l'une sur l'autre, il est possible d'arriver avec une nouvelle vision des choses, hein, cette transformation d'un paradigme de notre vision des choses, qui va vers une société plus coopérative. Lord Bertrand Russell disait « Seule la coopération peut sauver, en gros, l'humanité. » Kofi Annan a dit la même chose, tout le monde a dit la même chose. Il semble que maintenant, c'est vraiment l'âge de la fraternité, l'âge de la coopération. Ce n'est plus une noble utopie. Il faut oser le dire, il faut oser enseigner l'altruisme de manière séculière dans nos écoles. Il faut oser, comme l'a fait mon ami Denis Snower, parler d'une économie du care à côté de l'économie de la voie de la raison, parce que le problème des biens communs, ce n'est pas en maximisant de façon rationnelle les intérêts personnels qu'on va gérer les biens communs, de la qualité de l'air, de l'eau, de la démocratie, etc. Il faut cette voie de la sollicitude, de la considération d'autrui, et si même des économistes en sont venus à cette conclusion, je crois que nous pouvons y arriver aussi. Merci Mathieu. Maintenant Christophe, j'aimerais bien que vous réagissiez par rapport à cela, parce que la vraie question c'est qu'on est tous évidemment en adéquation ou en adhésion avec cet objectif, mais on se dit est-ce que c'est pas utopique, est-ce que c'est pas idéaliste, et si l'idéalisme est important, est-ce que le réalisme ne va pas nous rattraper? Alors, est-ce qu'on peut donner le micro à Christophe? Merci. Vous êtes patienté une seconde, ça va venir. Je dois appuyer quelque part, non? Non, pas du tout. Merci Jean-Paul de me poser toutes ces questions auxquelles je ne vais pas savoir répondre devant tant de monde.
mais je vais faire de mon mieux. Alors, je voudrais beaucoup remercier Mathieu pour ce bel exposé qui nous montre à quel point on peut associer la science et l'humanisme et le souci d'autrui. Et puis, je voudrais souligner aussi, Jean-Paul l'a fait tout à l'heure, et je double la dose, à quel point le livre de Mathieu est un chef-d'œuvre, un livre vraiment important, qui, à mon avis, est un des traités de psychologie et de politique peut-être, mais seul Jean-Paul pourrait confirmer ça, les plus importants que j'ai lus moi personnellement. Et ne vous laissez pas dissuader par la taille du livre, il fait plus de 940 pages ou quelque chose comme ça. D'abord, le contenu est passionnant, ensuite il est découpé en petits chapitres extrêmement intelligents qui facilitent tout à fait la lecture. Voilà, donc Mathieu a peu parlé de son livre. Voilà, ce n'est pas un livre de sac à main, c'est un livre de sac à dos. Je voudrais beaucoup remercier aussi Jean-Paul pour sa vision et sa générosité en ouvrant les portes du CESE à un colloque finalement consacré à un sujet qui ressemble à un sujet de psychologie. Jean-Paul Delevoye montre qu'il a compris que l'altruisme ne se cantonnait pas à la seule psychologie, qu'il avait des extensions, des ramifications, des implications dans bien d'autres champs, dont le champ écologique dont tu nous as parlé, Mathieu, mais aussi dans le champ politique. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à séparer ces deux domaines, à penser qu'au fond, le psychologique est rétracté sur l'ego et le politique est tourné vers l'extérieur de l'ego, vers les citoyens. C'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment. Il y a un psychothérapeute belge qui s'appelle Thomas d'Ansembourg qui a eu un jour cette magnifique trouvaille en parlant d'intériorité citoyenne. La manière dont nous prenons soin de nous, soin de nos équilibres intérieurs, soin de cultiver ces qualités dont tu parlais, cette ouverture aux autres, cet altruisme, cette compassion. C'est un travail de jardinage, alors il est plus ou moins facile pour certains d'entre nous, mais on a toujours à travailler ces choses-là, même si nous avons tout le matériel génétique, même si l'évolution nous a légué toutes ces aptitudes, si nous ne les travaillons pas, eh bien elles auront du mal à éclore, à se transformer en actes. Donc cette distinction entre ce qui est psychologique et ce qui est politique, finalement, n'est pas toujours légitime, et dans le cas de l'altruisme, en tout cas, elle l'est particulièrement peu. Alors, bon, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas abordées, Mathieu, et que tu abordes dans ton livre, mais notamment quelque chose dont je vais me faire un plaisir de vous parler, si Jean-Paul me permet de prendre un tout petit peu la parole. Ce sont les rapports entre le bien-être des personnes et les comportements altruistes. On a de très nombreuses études montrant que les deux sont liés, et dans les deux sens. Autrement dit, lorsqu'on rend les gens un peu plus heureux, alors des choses très simples, qui paraissent très bêtes, très élémentaires, lorsqu'on leur fait gagner des petites sommes à des jeux, lorsqu'on leur fait vivre des instants agréables, et qu'on les met ensuite en position d'aider autrui, eh bien, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, pendant longtemps on pensait que le bonheur c'était une sorte de sentiment égoïste qui poussait à la rétraction sur soi. Flaubert à l'époque écrivait dans une lettre à son meilleur ami, pour être heureux c'est pas compliqué, il faut être bête, égoïste et en bonne santé. Donc cette idée a longtemps flotté en psychologie et puis dans nos pensées. En réalité on trouve exactement l'inverse. Toutes choses égales par ailleurs, plus je vais être heureux, mieux je vais me sentir et plus j'aurai tendance, lorsque l'occasion se présentera, à aider autrui. Très récemment, Rebecca Shankland, qui est une collègue que tu connais, Mathieu, qui est professeure de psychologie sociale à Grenoble, a fait une petite étude très simple. Elle, avec un camion, elle a enquêté dans des grandes villes, je crois que c'était à Lille et à Paris. Donc le camion proposait des petites expériences de psychologie contre une rétribution modeste, une dizaine d'euros. Donc les personnes qui passaient dans la rue montaient dans le camion, remplissaient des questionnaires, dont certains étaient des questionnaires de bien-être, qui permettaient de mesurer leur niveau de bien-être émotionnel, et on leur remettait la somme, et ensuite on leur disait, voilà, vous pouvez donner tout ou partie de cette somme pour je ne sais plus quelle cause, altruiste, etc. Et ce dont se sont aperçus les chercheurs, c'est qu'en corrélant ensuite le niveau de bien-être évalué par le questionnaire que les gens venaient de remplir sans savoir pourquoi on leur avait demandé, et la quantité d'argent donnée, il y avait une relation linéaire parfaite. Plus les gens se sentaient bien, plus ils avaient tendance à donner. Ce qui est très intéressant, c'est que ça marche également dans l'autre sens. C'est-à-dire, si
Je suis heureux si on augmente mon bonheur, si on me procure quelques émotions positives, alors j'ai tendance à être plus généreux. Mais de la même façon, plus je pratique des comportements généreux, plus je donne de l'argent, plus je donne de l'aide, plus ça va me faire du bien, plus ça va augmenter mon bien-être. C'était d'ailleurs, et tu le décris très bien, Mathieu, un des arguments du camp des égoïstes, enfin, je ne sais pas, le parti des égoïstes, comme tu dis, pour dire, ben, vous voyez bien que l'altruisme pur n'existe pas, puisque quand on a un comportement altruiste, ça nous fait du bien. Donc on le fait pour se faire du bien. Si c'est une forme d'égoïste sournois, d'égoïsme sournois déguisé à plusieurs niveaux, etc. Évidemment, c'est une erreur de logique considérable. On confond ce qui est une motivation avec ce qui est une conséquence. Si je vais marcher dans la forêt, je peux avoir une motivation de marcher dans la forêt parce que je suis resté enfermé toute la journée. Il y aura une conséquence, c'est que ça va augmenter, améliorer mon système immunitaire, etc., etc. Mais je peux très bien aller marcher dans la forêt juste parce que j'ai envie de voir les arbres. Et la conséquence viendra en plus. Et nos comportements altruistes sont récompensés par un gain de bien-être. Et là, c'est probablement un mécanisme extrêmement intelligent que l'évolution a mis en place en nous pour les amplifier encore. Il y a aussi des satisfactions plus, j'allais dire, plus existentielles. Lorsqu'on a des comportements altruistes, bien sûr, ça nous fait du bien parce qu'on voit qu'on fait du bien à l'autre, qu'on soulage sa souffrance ou qu'on améliore son bien-être. Bien sûr que ça nous fait du bien parce que quelque part, intuitivement, instinctivement, nous sommes des animaux sociaux. Nous ne pouvons pas être heureux si les gens autour de nous sont malheureux. En tout cas, si nous les voyons, il faudrait que nous vivions avec des œillères. Mais ça nous fait sans doute du bien aussi parce que, de manière obscure, nous devons sentir que, en émettant ces petits comportements, petits à l'échelle du monde, chacun de nous fait son petit boulot, hein, chacun de nous fait son travail, en émettant ces comportements altruistes, nous améliorons le monde finalement. En réfléchissant à ça, on se dit, voilà, je fais un tout petit bout du boulot, il faut que tout le monde fasse sa portion, mais moi, je fais un tout petit bout. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans l'altruisme, c'est qu'il conjugue deux dimensions du bonheur. Vous savez que depuis longtemps, les philosophes nous expliquent qu'il y a deux sortes de bonheur, un bonheur plutôt hédoniste et un bonheur plutôt eudémonique. Donc le bonheur hédoniste, c'est faire ce qui est bien pour moi, c'est me mettre dans des situations qui me font du bien. Le bonheur eudémonique, c'est plutôt faire le bien, viser des valeurs, faire des choses qui ont du sens et chercher au fond à améliorer le fonctionnement de la cité, du pays, etc., ou du monde. Et dans l'altruisme, il y a les deux. Dans l'altruisme, à la fois, c'est quelque chose qui va faire du bien aux autres, mais qui nous fait du bien, mais c'est aussi quelque chose qui améliore le monde. Et ce positionnement de l'altruisme à cheval sur ces deux grandes voies qui nous permettent de nous rapprocher du bonheur est extrêmement intéressant. Et puis, il y a un dernier point avant que je laisse Jean-Paul organiser les débats, puisque nous avons prévu de vous donner la parole, de dialoguer avec vous. C'est la question de l'angélisme. C'est vrai que Mathieu, moi-même, toutes les personnes qui militons pour ce qu'on appelle la psychologie positive, qui essayons de transmettre le fait qu'il est important, effectivement, dès l'école, d'apprendre aux enfants l'altruisme, l'ouverture à autrui, d'apprendre la méditation, d'apprendre la compassion. Évidemment, on se fait souvent traiter de naïf. La psychologie positive, évidemment, c'est des petits gadgets, c'est bonbons roses, etc. Ça peut l'être puisque, Mathieu, tu connais comme moi ces études qui montrent également que dans une population générale, il y a tout de même un pourcentage de personnes qui ont vraiment du mal avec l'altruisme, qui ont vraiment du mal avec l'altruisme pour tout un tas de raisons, des raisons de culture personnelle, de culture familiale, de trajectoire existentielle. Mais en gros, c'est entre 10 et 20% des personnes qui sont des durs à cuire. Et quand on les fait participer à des jeux collaboratifs où finalement, si chacun fait un peu sa part, si chacun met un peu au pot, tout le monde y gagne nettement, on s'aperçoit qu'il y a ces free riders, comme disent les anglo-saxons, ces cavaliers seuls, qui sont, en gros, c'est 10 à 20%, hein, selon les travaux, qui sont prêts à ne pas participer au bien commun, mais qui cherchent à empocher les bénéfices. Ça existe.
Et ce que montrent les études, c'est qu'effectivement, il faut quand même s'occuper de ces gens-là, sinon leur pouvoir contaminateur est grand. Et au bout d'un moment, finalement, les... Alors, en gros, ce que disent les gens qui font ces études, ils disent, bon, dans la population, je vous fais simple, hein, c'est plus subtil que ça, mais il y a 10 à 20% de plutôt égoïstes quand même, et alors eux, ils vont chercher à tirer les marrons du feu pour eux, l'altruisme ne les intéresse pas. Il y a 10 à 20% de super altruistes, eux, quoi qu'il arrive, leur credo, c'est donner, partager, aider, et même si personne d'autre que le fait, ils tiendront. Et puis il y a 60 à 80% de gens qui sont un peu hésitants, évidemment, qui se sentent mieux quand ils sont altruistes, mais que ça agace énormément de voir des égoïstes tirer les marrons du feu. Et eux peuvent être contaminés par les comportements égoïstes. Donc on a des travaux, effectivement, qui montrent qu'il est nécessaire aussi, et ça peut-être que Jean-Paul pourra nous ouvrir les yeux sur ça, qu'il existe des règles sociales, qu'il existe des lois, qu'il existe... des contraintes, pas forcément des punitions, mais des contraintes, des exigences pour que cette nécessité de la pratique de l'altruisme et au moins de la non-pratique de l'égoïsme excessif puisse se généraliser, devenir une sorte de règle évidente. Donc, ça n'est pas tout. Dans les travaux dont parle Mathieu, il n'y a pas que le côté joyeux, confiant et enthousiaste. Il y a aussi ces dimensions sur lesquelles on a bien évidemment réfléchi. Merci. 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 Merci Christophe. Vous avez maintenant la parole. Il y a aussi des micros qui circulent dans toutes les parties de cet hémicycle. Permettez-moi simplement peut-être de rappeler que puisque la conférence porte sur l'altruisme, ayons un comportement altruiste en posant la question. C'est-à-dire une question doit être courte, doit être interrogative, doit finir par un point d'interrogation et ne doit pas être le récit de sa vie ou de ses problèmes. Et que le temps que vous allez consommer vous, pour votre question sera la marque de votre égoïsme ou de votre altruisme pour les autres. La seconde, c'est que j'aimerais que Mathieu nous dise à quoi sert la vente de ses livres, parce que c'est aussi intéressant le sens qu'il y a à sa démarche, de peut-être rappeler cette petite anecdote dans son livre entre Tom Cruise et le Dalai Lama. Ça, c'est pas inintéressant. Et je voudrais simplement peut-être, en lançant le temps que vous réfléchissiez aux questions, moi, j'ai quelque chose qui m'interpelle. Un, vous avez beaucoup parlé d'empathie. Quel regard portez-vous sur la société aujourd'hui qui est en évolution par le numérique, où avec les nouvelles technologies, on se parle de plus en plus et on s'écoute de moins en moins. Et donc, j'aimerais bien avoir votre regard là-dessus. La deuxième, c'est qu'on voit bien que la gestion du collectif, qui est normalement le rôle du politique, fait qu'aujourd'hui, nous sommes en panne d'espérance collective. Le communisme a disparu avec la chute du mur de Berlin, le capitalisme a perdu son meilleur adversaire, le communisme, et a perdu ses maîtres. Et l'on voit bien que l'homme qui voulait dominer la nature, elle se révolte, et que nous sommes toujours dans un rapport dominant-dominé. Comment concilier l'équation, ou faire accepter l'équation à des hommes et des femmes qui ont à gérer le pouvoir et donc la relativité du pouvoir par rapport aux autres dans la compétition du monde, de se dire que si on transforme son pays en altruiste, on va être plus compétitif. Alors qu'on pourrait considérer qu'au contraire, on serait moins combatif et on se ferait exploiter par les profiteurs. Et donc, j'aimerais bien avoir votre réflexion là-dessus. Et puis, question, Mathieu, très directe. Je reviens, je te l'ai dit, d'une conférence internationale où la question de fond que nous nous posions, c'était
le dialogue nécessaire que l'on devait avoir aujourd'hui entre celles et ceux qui sont à la tête des pouvoirs religieux et qui, paradoxalement, la religion devrait être un apprentissage de l'altruisme, devrait être un apprentissage de la tolérance de l'autre. Et comment se fait-il qu'au nom des religions, on cultive le rejet de l'autre et que l'on est en train d'avoir un 21e siècle qui devient ce que je disais tout à l'heure, un siècle de la différence religieuse après avoir connu le siècle de la différence raciale au 20e, et que la lutte des identités est en train de remplacer la lutte des classes. Et donc, cher Mathieu, moi j'adhère à votre théorie. Mais l'on s'aperçoit les paradoxes et les contradictions. Plus l'homme est convaincu de la finitude de la planète, plus il cherche à se protéger lui-même en disant c'est aux autres à faire des efforts ou pas. Et on a des replis suicidaires de nos systèmes politiques où plus il faut penser monde, plus on pense village, plus il faut penser moyen terme, plus on pense court terme, plus il faut penser l'autre, plus on pense chacun pour soi. Et donc moi j'ai une question en tant que responsable du collectif. Et ici on a vu à quel point dans cette maison du dialogue, des citoyens et du futur, on peut arriver à faire bouger les comportements, mais l'on voit bien que l'obsession du politique, c'est la conquête du pouvoir, parce qu'aujourd'hui, les projets de société sont un peu désespérants. L'alternative entre le libéralisme et le communisme est aujourd'hui un peu compliquée à imaginer. Et en même temps, on a des réflexes positifs. Quand on questionne les jeunes, on avait fait une très belle enquête avec Radio France il y a 2 ou 3 ans, et quand on posait la question aux jeunes, quelle priorité donnez-vous à votre travail? La première priorité, c'était le sens. Le sens, plutôt que la rémunération et le salaire. Donc Mathieu, moi j'adhère à vos utopies. J'adhère à vos rêves. Mais quand je vois l'application concrète de vos rêves, je vois plutôt des cauchemars. Donc comment pouvez-vous m'aider à imaginer qu'effectivement nous ayons en termes, je vois d'ailleurs beaucoup de chefs d'entreprise qui intègrent maintenant la notion d'empathie pour jouer le collectif. Donc, comment nouer un dialogue entre les pouvoirs religieux pour amener à transcender les différences et les identités pour avoir la notion de bien commun, je partage votre point de vue, je crois qu'on a un conflit aujourd'hui entre bien public et bien privé. Je crois qu'il faut transcender ça par les biens communs. Et nous avons un paradoxe, nos concitoyens ont de plus en plus une conscience mondiale de changement climatique, de la problématique de l'air. Et donc si on a cette conscience mondiale, on doit pouvoir se battre pour une certaine universalité des exigences. Et donc je suis assez optimiste à condition que l'on puisse retrouver le chemin des causes qui grandissent les peuples. Quand on les laisse au niveau des intérêts, ils se déchirent. Donc là, on a un vrai défi politique qui est devant nous, mais qui est aussi un défi de la mobilisation des forces citoyennes qui peuvent enclencher une dynamique tout à fait nouvelle et peser sur les relations entre les uns et les autres. Donc voilà, ça ne me paraît pas facile à répondre, mais Elie Wiesel disait « Quand je rentrais de classe, ma mère ne me disait jamais « Est-ce que tu as bien répondu ?» Elle me disait « Est-ce que tu as posé la bonne question ?» Alors, cher Mathieu, est-ce que j'ai posé la bonne question ? Votre point d'interrogation est immense. Oui, mais c'est l'Himalaya de spirituel. Entre Tom Cruise et le Dalai Lama, voilà. Oui, il faut raconter la première. Alors, si je pouvais de nouveau avoir les images de la présentation, s'il vous plaît. Effectivement, depuis un certain nombre d'années, avec un groupe d'amis dont beaucoup sont présents ici, nous avons fondé une association qui s'appelle Karuna et en gros 130 projets humanitaires dans l'Himalaya, c'est-à-dire au Tibet, ici au Népal, en Inde. Nous traitons environ 100 000 patients par an, 25 000 enfants dans les écoles, et gardons des frais de fonctionnement très raisonnables, environ de l'ordre de 5%, ce qui fait paraît-il pas sérieux, enfin c'est comme ça. Nous avons donc des cliniques, des dispensaires, nous travaillons dans les campagnes indiennes, nous construisons des écoles en bambou. Voilà une école construite pour 100 000 euros, 2 000 enfants, dont 60% de filles en 3 mois. C'est difficile à battre comme record, investissement en rendement. Et donc, nous travaillons aussi au Tibet, une vingtaine de dispensaires dans des régions nomades où il n'y avait strictement rien. Donc, c'est à ça, effectivement, à quoi servent 100% de mes droits d'auteur. Mais il faudrait que j'écrive un livre toutes les semaines pour faire fonctionner le système.
On a besoin de pont, visiblement, ça c'est notre voiture. Il y a une rivière et une route, mais on ne sait pas où l'une commence et où l'autre finit. Donc c'est un peu risqué. Donc nous avons construit 18 ponts, dont un sur le Yangtze, pour les endroits pour les personnes âgées, etc. Donc tous ces efforts, c'est un peu la compassion en action. Et grâce à un certain nombre de philanthropes, de fondations familiales et autres, nous réussissons à mener à bien ces projets, intervenir dans des lieux de tremblement de terre au Tibet, etc., etc. Donc voilà pour la première question. Alors vous avez mentionné aussi Tom Cruise et le Dalai Lama. Alors pourquoi ? Effectivement, il y a une étude qui a été faite. On a demandé aux gens quelle est la personne que vous admirez le plus entre le Dalai Lama et Tom Cruise. 80% admiraient le Dalai Lama. Ensuite, on leur a demandé qui voudriez-vous être ? 80% voulaient être Tom Cruise. Ils se sont dit, tant qu'à faire, autant être beau, jeune et riche. Et pour ce qui est comme le Dalai Lama, c'est mon affaire, je m'en occupe. Enfin, ça montre aussi une certaine disjonction entre ce qu'on admire et ce qu'on imaginerait devoir être. Alors maintenant, l'empathie. Alors l'empathie, d'abord, on parle beaucoup d'empathie. Il y a beaucoup de livres sur l'empathie, la civilisation empathique. Il faut avoir davantage d'empathie. Je crois que c'est bon d'avoir un langage un peu plus précis, aussi bien parmi les psychologues, que les neuroscientifiques, que le bouddhisme également. L'empathie est quelque chose de très spécifique. C'est une résonance affective avec l'autre. Vous êtes joyeux, je vous regarde, ça me met en joie. Vous souffrez, je souffre de votre souffrance. On peut voir ça dans le cerveau. Toutes les aires liées à la souffrance sont activées. Je souffre pour de bon, mais de votre souffrance. Je sais que c'est vous, mais je souffre quand même. Non, mais je veux dire, oui, parce que la contagion émotionnelle... C'est pas mon état actuel, hein. C'est une image, hein. La contagion émotionnelle, c'est autre chose. Vous prenez les émotions de quelqu'un, mais sans savoir que c'est à cause de l'autre. Dans l'empathie, vous savez que c'est à cause... Vous faites une distinction entre vous et la personne, donc c'est assez différent. Ceci dit, l'empathie, c'est juste une sorte de signal d'alarme. Les psychopathes n'ont pas un signal d'alarme. J'ai rencontré un des plus grands, j'écrivais ce livre, un des plus grands spécialistes des psychopathes. Ils m'ont dit, ils font aucune différence entre un être humain et un Kleenex. Pour eux, c'est des instruments. Si l'autre souffre, ils se coupent en morceaux, ils trouvent ça très bien, ça ne leur fait rien du tout. Manque total d'empathie, ils ne résonnent pas du tout avec la souffrance de l'autre. Bon. Donc ça, c'est important pour savoir que l'autre souffre. Rousseau disait, le riche ne s'imagine pas pauvre. Kafka disait, la guerre est un prodigieux manque d'imagination. On n'imagine pas la situation de l'autre. Mais ça ne suffit pas. Donc c'est pour ça que ça qui mène au burn-out, j'en ai parlé un petit peu, il faut beaucoup plus. Il faut cet amour altruiste, ce bon cœur, on peut appeler ça comme on veut, cette chaleur humaine, cette bienveillance qui, alertée par l'empathie, l'autre souffre, oui, devient la compassion, c'est-à-dire le souhait, puisse cette personne cesser de souffrir et puisse-je remédier à ses causes. Donc je pense qu'il faut beaucoup plus parler de bonté humaine comme une sorte de disposition, d'altruisme comme une motivation, parce que l'altruisme est une motivation, de sollicitude, de bienveillance. L'empathie est une chose très spécifique qui vous renseigne sur la condition de l'autre. Bon. Alors, à part ça, quel était le du point d'interrogation ? Non, je disais, est-ce que dans un monde de la performance... Alors, Le cynisme donne pas la prime à ces... Alors, ceci dit, il y a des mécanismes. Tout d'abord, toutes les études dont Christophe a parlé montrent effectivement que si on enlève toutes les règles, et dans le système économique, c'est très clairement la dérégulation totale. Hein, il faut dire clairement les choses. Qu'est-ce que vous faites ? Vous donnez la main libre à ces 20% de free riders, c'est-à-dire que c'est eux qui tiennent le haut du pavé, c'est eux qui mènent la danse, et les autres... Ils font le dos rond, ils cessent de coopérer parce que c'est un monde un peu de... chacun essaie de préserver ses billes. Donc ce qu'il faut, c'est non pas faire des régulations stupides, genre des régimes totalitaires, etc., qui vous disent comment être heureux, comment faire ci, comment faire ça, et ça ne marche jamais. Hein. Comme en Chine, les fonctionnaires arrivent, vont dire on va cultiver les pâturages à 4000 mètres d'altitude. Alors, il n'y a jamais eu de culture, ils ont saccagé les pâturages qui servent aux animaux et puis ils sont partis. Donc voilà. Donc éviter ce genre de choses, mais des régulations qui simplement permettent aux 70% qui sont prêts à se coopérer et à se faire confiance de fonctionner avec un relatif sentiment de sécurité, qui peuvent faire confiance sans que les profiteurs mènent la danse. Même chose pour les religions et les intolérances. Alors, bon, ça c'est une chose. Donc il y a la pub qu'on appelle la sanction altruiste.
il y a les récompenses de notre façon, de faire en sorte, on ne va pas transformer les égoïstes en altruistes, mais il faut faire en sorte qu'ils trouvent leur compte et qu'ils aient intérêt, qu'ils voient leur intérêt à coopérer. Donc ça, il y a toutes sortes de théories qui ont été faites, qui montrent qu'en fin de compte, ce sont les coopérateurs qui continuent à coopérer, qui continuent, en fin de compte, c'est eux qui finissent par prospérer. Ça a été montré par des bons modèles. C'est des grands c'est maintenant un peu le fin du fin. Regardez les travaux de Martin Novak et autres, et de Ernst Fehr en Suisse, c'est ce qui marche le mieux. Donc, c'est bon signe. Les religions, justement, dans ce Global Economic Symposium où j'étais il y a quelques jours à Kiel, il y a une soirée, est-ce que le rapport avec les religions et le monde moderne, la société, l'économie, etc. C'est sûr, moi, la seule chose qui m'a semblé évidente à partager dans ce débat, c'est que si on se contentait simplement d'appliquer la règle d'or, vous savez ce que c'est ? Tout le monde est d'accord là-dessus. Ne fais pas à autrui si tu ne veux pas qu'on fasse à soi-même. Il suffit de s'en tenir là et tout irait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc si on se sert des religions comme des drapeaux de ralliement, évidemment, pour séparer les communautés, les gens, etc., c'est tout le contraire de la règle d'or. Donc contentons-nous de reconnaître cette communauté d'adhésion à la règle d'or, de la mettre un minimum en application. Alors, sur le côté un peu plus plaisant, on m'a demandé quel rapport avec les religions et l'économie. J'ai dit, voilà, j'ai trois règles fantastiques qui vont avoir avec la spiritualité et l'économie, et vous allez être contents. Règle numéro un, Albert Schweitzer a dit, l'amour est la seule chose qui double à chaque fois qu'on le donne. Ça, c'est un très, très bon investissement. Règle numéro deux, mon ami le père Serra, qui a 95 ans, qui s'est occupé de 50 000 enfants dans le sud de l'Inde pendant 50 ans, a dit, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Deuxième règle économique, extrêmement utile. Troisième, alors là, ça revient dans la science. Il y a une publication qui a été faite il y a quelques années par une psychologue canadienne, d'abord sur le Canada, ensuite dans 126 pays. Elle a étudié des milliers de gens et a vu certains qui donnent un tout petit peu, ou beaucoup, mais qui donnent quelque chose aux autres, qui font ou un don de leur temps, ou un don monétaire, ou quelque chose. Et puis, ceux qui ne donnent pas. Et elle a bien contrôlé son étude, à savoir que pris des gens de milieux sociaux identiques, d'éducation, de santé, donc c'est vraiment la différence, est-ce qu'ils donnent ou ils ne donnent pas. Résultat, un papier qui est paru dans le journal Science, qui est la revue la plus prestigieuse, hein, c'est pas les échos de la presqu'île guérandaise, où on disait « l'argent ne fait pas le bonheur, sauf si on le donne ». Elle a montré que les gens qui avaient cette attitude ouverte à l'autre, et vous savez qu'en France, c'est un des pays où il y a le plus de volontariat, de bénévolat, 24% des Français donnent un peu de leur temps. Donc elle a montré que ces gens-là étaient significativement plus heureux que ceux qui ne donnent jamais. Donc c'est bon signe. Et donc, en gros, merci. Si vous voulez, c'est des pistes auxquelles on peut réfléchir. Merci Mathieu, parce que je vois que le temps passe. Donc merci mesdemoiselles pour distribuer le micro. À chaque fois, j'essaierai de vous faire signe. Je rappelle que pour les gens qui sont à l'extérieur de cette salle et qui voient la conférence sur écran, ils peuvent aussi poser des questions. Ils viendront les poser ici, dans l'hémicycle. Alors, Christophe, tu voulais dire quelque chose ? Ah bon ? Rien de spécial. D'accord. Monsieur, donc. Alors, je rappelle. Alors, vous attendez, parce qu'on va vous donner. Vous attendez une seconde ou deux, et a priori, les choses vont démarrer. Allez-y. Alors, oui, ça marche. Déjà, merci pour tout ce que vous avez dit jusqu'ici. Ça porte. Il y a un thème majeur actuellement dans toutes les politiques, tous les États en parlent, tous les gouvernements passent ou ne passent pas sur ce problème-là, c'est la question de la compétitivité. Pour moi, j'ai l'impression que c'est le summum de l'anti-coopération au niveau mondial. Que pensez-vous de cette question de compétitivité ? Merci. Qui veut répondre ? Mathieu. Bon, ben écoutez, je... Voilà. Donc, n'hésitez pas juste à lever le bras, hein, on vous passera le micro, hein, j'essaierai de voir. Allez-y. Oui. Je mentionnais juste ces études qui ont été faites à propos des entreprises, hein, qui montrent clairement qu'au sein de l'entreprise, coopération maximale et compétition entre entreprises pour pas qu'il y ait des ententes pour faire pas monter les prix au détriment des citoyens. Alors, sur un plan plus large, il est clair que le problème des biens communs exige une responsabilité locale et aussi, non, disons, un engagement local et une responsabilité globale. On ne peut pas gérer. C'est comme, imaginez en France que la Dordogne décide de gérer son électricité et ses réserves d'eau, maintenant qu'elle ait beaucoup plus d'eau que tout le monde, et qu'elle décide de gérer ça au niveau de la préfecture en se moquant totalement.
La distribution de l'eau et l'électricité en France, ce n'est plus une question de droite ou de gauche, c'est un bien commun. Tout citoyen a le droit d'avoir accès à l'eau et l'électricité. Donc, on ne pense plus que c'est une question, bon, il y a peut-être des influences politiques, mais en gros, on ne vote pas sur savoir si tout le monde doit avoir ou pas accès à l'eau. C'est admis comme étant un bien commun. De la même façon, les États, les chefs d'État devraient, du point de vue de la qualité de l'atmosphère, de la biodiversité, devraient être pas plus que des préfets au niveau mondial. Dans ce sens-là, il doit y avoir, comme il y a déjà la Cour internationale de justice, les Nations Unies, bon, tout ne fonctionne pas de manière optimale, mais déjà par rapport à il y a 100 ans, c'est un énorme progrès que ces institutions augmentent, sur les conventions sur les océans, etc., etc. Donc là, c'est évident qu'on ne peut plus jouer sur les intérêts nationaux quand il s'agit de quelque chose qui est l'intérêt de tous. Donc, ce que Martin Luther King a dit dans une formule très simple, nous sommes arrivés dans des esquifs différents, nous sommes tous dans le même bateau, et ça c'est une réalité parce qu'on respire tous le même air. Madame, je vous en prie. Attendez, vous attendez toujours une petite seconde, le temps qu'on vous branche. Bonsoir. Oui. Voilà. Beaucoup de gratitude pour ces interventions très éclairantes. Vous avez évoqué, Mathieu, brièvement le statut de la femme. Est-ce que l'un et l'autre, vous voyez une différence dans le rapport que la femme entretient à l'altruisme versus, ou pas, celui que l'homme entretient à l'altruisme? Est-ce que dans quoi vous dites... Oui, est-ce que vous avez un regard sur la relation de la femme et de l'altruisme? Ah oui, alors... Ce qui est clair sur un plan purement politique, c'est que la relation de la femme et du pouvoir est extrêmement différente, notamment en France. Oui. L'homme préfère la jouissance du pouvoir, la femme l'exercice du pouvoir. J'ai connu une ancienne ambassadrice. Oui. Oui, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas inverser les choses non plus. Hein. Voilà, soyons J'ai pas connu binaires. Une ancienne ambassadrice américaine qui avait été envoyée en Afrique au moment où il y avait une négociation très difficile entre 6 ou 7 pays sur des problèmes, comme il y en a beaucoup. Et elle est arrivée et il y avait une vingtaine d'hommes, pas une seule femme. Elle a dit, mais pourquoi il n'y a pas une femme? Je dis, ben non, parce que vous prenez, s'il y a des femmes, elles vont commencer à faire des concessions, etc. Bingo, s'est-elle dit, voilà. Donc, si on voulait un dialogue et faire des concessions, donc il fallait des femmes. Alors, je vais vous relater une conférence sur la paix où participaient 5 femmes prix Nobel, dont Judy Williams et d'autres, et puis Mary Robinson qui a été... Donc, secrétaire des Nations Unies, présidente d'Irlande et secrétaire des Nations Unies sur les réfugiés. Et le Dalai Lama. Et le Dalai Lama dit à un moment donné, moi, je suis féministe. Alors, Marielle Commissaire dit, ben, si moi, je dis ça, ça ne surprend personne, mais le Dalai Lama, quand même. Et donc, il a expliqué pourquoi. Il a dit, voilà, l'âge des tribus, hein, qu'on était 1 million sur Terre, l'âge du muscle, hein, le macho, l'homme, la force. Parce que, bon, on passait notre temps à essayer de fuir les prédateurs, Il fallait de la force, mais bien sûr, la femme était très importante. Mais en gros, c'était la domination humaine. Ensuite est venu l'âge de l'éducation et de l'intelligence, c'est-à-dire l'âge des Lumières, l'éducation. Donc là, évidemment, nous sommes en gros, on peut en discuter, mais enfin, en gros, à pied d'égalité. Alors, l'égalité est loin d'être réalisée, vous le savez mieux que moi, mais néanmoins, en théorie, c'est vers ça que l'on tend et c'est ça ce à quoi on aspire. Et quand même, il y a pour une institution qui... font des efforts, peut-être trop tièdes, mais malgré tout, c'est une sorte de, on admet le principe qu'il doit y avoir cette égalité d'opportunités, d'éducation, etc. Mais dit-il, ce dont nous avons besoin maintenant, c'est l'âge de l'empathie, l'âge de l'altruisme, l'âge de la compassion, et là, disait-il, la femme est mieux placée en raison justement de cette faculté d'instinct de protection maternelle qui se manifeste. Il donnait l'exemple d'un voyage en avion la nuit, où il y avait un couple avec un jeune bébé qui pleurait tout le temps. Il dit, pendant les 2 premières heures, le mari et la femme se sont relayés, et puis vers 2 heures du matin, le mari s'est endormi et la femme s'est occupée de l'enfant jusqu'à la matin. Donc, si vous voulez, en gros, bon, c'est peut-être une sorte de... Il a dit, c'est pour ça que je suis féministe. On peut penser, effectivement, que, comme vous le disiez, quand il s'agit de négociations, il y a quelqu'un, un survivant d'Hiroshima, qui dit on devrait avoir comme chef d'État uniquement des mères qui ont un bébé d'un an, parce qu'au moins elles réfléchiraient un peu plus à ce que ça peut être d'envoyer une bombe atomique sur la tête des autres. Donc il y a certainement quelque chose à une réflexion à faire, et en tout cas une chose est certaine, c'est que les données montrent très clairement, d'une part que l'éducation, c'est le girl effect, l'éducation des filles a un effet crucial sur la mortalité des enfants, même s'ils n'ont que quelques mois d'éducation, ça fait une énorme différence.
Vous signalez l'influence sur la violence. Hein, si une mère n'a aucun pouvoir, qu'elle a 7-8 enfants et qui part dans la nature, ça devient des violents délinquants. Donc, il y a tous ces facteurs qui font que c'est très clair que, en tout cas, il faut promouvoir cet aspect-là. Merci. Christophe ? Peut-être il y a aussi une autre dimension, j'y pensais en t'écoutant Mathieu, je serais curieux de savoir ce que Jean-Paul et toi en pensez, c'est celle de l'entraînement, puisque vous savez qu'une des grandes percées que nous avons connues dans notre discipline, la psychologie, la psychiatrie, ces deux dernières décennies, c'est celle de la neuroplasticité. On peut entraîner notre cerveau à aller dans des directions où il n'irait pas spontanément. Donc on savait depuis longtemps qu'on pouvait l'entraîner à faire des apprentissages, apprendre à lire, apprendre à jouer d'un instrument, apprendre à manier des outils. Et on s'est aperçu, il y a quelques années, qu'on pouvait aussi entraîner notre cerveau à réguler différemment ses émotions. Et en réalité, c'est quelque chose que la plupart d'entre nous avons du mal à intégrer. Autant nous savons tous parfaitement que si nous voulons avoir plus de souffle, il va falloir nous entraîner, courir, faire des footings. On ne peut pas juste se dire, bon, à partir de demain, je vais faire des efforts pour avoir plus de souffle. Il faudra produire ces efforts. Nous savons tous que si nous voulons être plus souples, il ne va pas falloir juste le décider, mais faire du yoga, etc. Si nous voulons être plus musclés, il va falloir faire de l'exercice. Et pourtant, nous continuons naïvement de raisonner sur ce registre en nous disant « Bon, allez, non, ça va pas du tout. Demain, il faut que je sois moins stressé. À partir de demain, je vais me calmer, je vais être plus cool. Demain, je vais prendre la vie du bon côté, il faut que je sois plus positif, je suis trop négativiste, etc. » Et puis voilà. Et puis, on fait vaguement des petits efforts. C'est la même chose que si on veut avoir du souffle, de la souplesse, de la force. Lorsqu'on souhaite développer notre altruisme, nos capacités empathiques, notre générosité, c'est quelque chose qu'on doit décider, bien sûr, mais à quoi on va devoir s'entraîner. Et en t'écoutant, je me disais, mais finalement, les femmes qui ont eu des enfants, notamment, ont eu un entraînement, alors c'est peut-être un entraînement forcé par la biologie, mais un entraînement intensif, à ressentir de l'amour, à prendre soin inconditionnellement de leurs enfants, beaucoup plus intensif que les hommes. Nous autres, les papas, on fait ce qu'on peut, mais comme tu le dis, au bout d'un moment, on s'endort et c'est la maman qui se réveille la nuit. Et donc, il est possible également que cette différence entre hommes et femmes ne soit pas seulement du fait de la biologie, mais aussi le résultat de cet entraînement, parce que, en tout cas, Mathieu, tu as parlé tout à l'heure de quelques études qui montraient comment on pouvait développer la compassion, les aptitudes à la compassion, comment c'était pas juste du vent, comment ensuite c'était mesurable par des comportements concrets, par des mesures assez concrètes. Et sur ce plan-là, il est sûr que nos compagnes, nos mères, nos sœurs et nos filles, lorsqu'elles auront des enfants, bénéficient à ce titre d'un entraînement bien plus intensif. Il y a une étude qui a montré, si on regarde des comportements par rapport à d'autres enfants de mère, avant qu'elles aient eu un enfant et après qu'elles aient eu un enfant, elles sont beaucoup plus concernées par le sort des enfants des autres, même qui ne sont pas leurs propres enfants, et des personnes âgées, après avoir eu même un enfant. Donc ça, certainement, c'est quelque chose qui contribue à augmenter cette empathie. Oui. Mais en même temps, il y a aussi des cultures. Hein, je veux dire, les Africains ou les Asiatiques sont plus intéressés aux personnes âgées que vous, etc. Madame. Alors, vous attendez encore une petite seconde et puis le micro va s'enclencher et vous allez voir parler. Voilà. Allô, merci beaucoup pour ce partage chaleureux. Vous avez parlé, Mathieu Ricard, de l'importance de la qualité de la vie au travail. En fait, c'est un sujet donc je m'occupe d'améliorer la qualité, le mieux-être dans les entreprises. Et on se rend compte qu'il est quand même assez compliqué, difficile, de convaincre les chefs d'entreprise, les managers, de l'importance de la collaboration, du mieux-être au travail. Et donc, de par le monde, quelles sont vos expériences et quelles sont les solutions que vous pouvez, dont vous pouvez nous faire part pour arriver à plus développer cette attitude dans les entreprises? Merci. Voilà, donc ça veut dire qu'au-delà de l'acquisition des connaissances, c'est l'acquisition des comportements, quoi. Hein, on devrait peut-être réviser notre formation professionnelle.
Si vous voulez, souvent, ce qui désole nos amis scientifiques, c'est quand on a des connaissances, mais qu'elles ne sont finalement pas utilisées. Mm-hmm. Mon père a écrit un livre qui s'appelle « La connaissance inutile ». On connaît certaines choses, mais on ne l'utilise pas. Les études existent, que les entreprises dans lesquelles la coopération est favorisée sont plus prospères. Forcément, si vous vous sentez mieux au travail ou si vous sentez que vous êtes dans un nid de vipères, parce que non pas parce que les gens sont des vipères, mais parce que vous les mettez dans des conditions telles que vous essayez de faire sortir la vipère de leur nature au maximum. Donc ça, c'est, les études existent. Donc si déjà on commençait par ne pas considérer que les scientifiques sont des empêcheurs de tourner en rond, mais qui peuvent vous aider, c'est une bonne chose. Il y a d'autres études aussi, dans la résolution des conflits, qui peuvent aussi nous aider. Là, ce sont des conflits, on voit très bien qu'il faut être deux pour se disputer, il faut deux mains pour claquer, une main, ça ne claque pas tout seul. Donc déjà, si on aide les gens, chacun à essayer de conserver un certain équilibre émotionnel, de ne pas rentrer tout de suite dans le jeu de l'escalade et de la confrontation, ça diffuse déjà beaucoup de conflits. Donc, c'est une autre forme d'intervention. Il y en a une autre aussi qui est de faciliter les conditions de vie au travail doivent être obligatoires. Et on a une étude qui a été faite sur la façon dont les entreprises traversent les crises par rapport à leur, s'ils sont ou non une composante sociale et philanthropique. Et on s'est aperçu que celles qui avaient justement cet engagement social depuis le patron jusqu'au moindre employé traversaient mieux les crises. Pourquoi ? Parce qu'il y a un plus de sens. Comme dit Younous, si le seul but de l'entreprise, c'est le profit, il y a une réduction de l'humanité à une machine à faire de l'argent, en quelque sorte, ce qui n'est pas notre qualité première. Si ça va mal, vous quittez le navire comme des rats quittent un navire qui est en train de sombrer, c'est Lehman Brothers, etc. Pourquoi resteriez-vous dans cette entreprise ? S'il y a une composante d'engagement social depuis le patron jusqu'à tous les employés, c'est un peu comme un voyage qui peut être chaotique, mais comme vous voulez quand même aller au bout du voyage parce que ça a un sens pour vous, ben vous êtes plus enclin à continuer, et puis il y a un esprit d'équipe. Donc on a observé que ces entreprises fonctionnent mieux. D'ailleurs, les entreprises dont l'investissement, on voit aussi que les entreprises qui vont sur des fonds éthiques, sur le commerce équitable, sur les banques coopératives, sur le microcrédit, traversent mieux les crises aussi. Les fluctuations sont moindres et leurs pertes au moment des crises ont été moindres parce que c'est généralement une mentalité qui est différente, la prise de risque est différente, la vision est différente. Donc, dans le rapport qui a été remis au président auquel j'ai humblement participé, pas grand-chose, mais enfin, une des vagues idées que j'avais soumises, c'était l'idée de création d'une bourse de l'économie positive. C'est-à-dire que même qu'il y a le Nasdaq pour les nouvelles technologies, on pourrait très bien regrouper et donner un label, comme le label Max Avelar pour le commerce équitable ou Alter Eco, etc., où on sait que si on investit dans cette bourse, c'est soit, encore une fois, du commerce vert, de l'investissement vert, éthique, équitable, coopératif, microcrédit, etc. On pourrait regrouper, donner un certain sentiment de sécurité. Si on investit là-dedans, c'est pas éparpillé dans tous les sens. Merci. Oui, c'est intéressant, madame, pour apporter un élément. Une grande entreprise française, le PDG me disait, tous mes salariés, y compris par moi-même, consacrent une journée par an à des activités extérieures à l'entreprise. Les parents pourraient faire plus quand même. Hein. Et je lui disais, mais c'est pour toi, c'est un coût. Il m'a dit non, c'est un investissement. La seconde, je me souviens d'une entreprise bancaire, et on a pu, quand j'étais médiateur, généraliser cela à la totalité de la France, consacrer 1% de son chiffre d'affaires après impôt à demander à ses retraités de s'occuper des personnes surendettées. Eh bien, ça marchait tellement bien qu'ils ont généralisé cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et maintenant on voit dans des entreprises qui recrutent, il y a quelques années on disait, avez-vous un mandat électoral, etc., ou un mandat sportif, on disait, oh là là, il ne va pas se consacrer à l'entreprise, on ne le prend pas. Maintenant, celui qui n'a pas d'engagement extérieur, on a du mal à le prendre. Voilà. Parce que quand on a l'empathie, on joue collectif. Alors, c'était madame, je crois. Voilà, je vous en prie. Alors, si vous attendez encore une petite seconde, puis après on va monter là-haut.
Bonsoir messieurs, bonsoir Mathieu, merci pour ce que vous faites, bonsoir monsieur André. Face à autrui, dans notre comportement, où se situe « je fais de la réparation » et où commence l'altruisme pur ? Merci. D'accord. Si, c'est, est-ce que je fais de la réparation par compassion et je m'occupe de l'autre ? Et où commence l'altruisme pur ? C'est-à-dire, j'ai naturellement vocation à m'occuper ou à être en empathie avec l'autre. Ou est-ce que c'est la situation dégradée de l'autre ? Alors la question, je vais la reformuler peut-être, madame, si vous n'êtes pas d'accord. C'est la dégradation, je suis bien, je vois des gens pas bien autour de moi. Est-ce que ma conscience et soulagement de ma conscience, c'est le début de l'altruisme ou au contraire, est-ce que très naturellement, tout compte fait, est-ce que l'homme est un loup pour l'homme ou est-ce qu'il a vocation à être naturellement altruiste ? Oui, je peux peut-être commencer, puis Mathieu complétera. Ce qu'on pourrait peut-être appeler l'altruisme pur, c'est, et d'ailleurs c'est l'altruisme tout simplement, c'est le faire le bien de l'autre sans aucune attente de retour, que ce soit un remerciement ou une reconnaissance sociale. Donc il me semble que par essence, l'altruisme au départ est quelque chose de pur, enfin, si on parle d'altruisme, sinon, comme le disait Mathieu, c'est du calcul social, effectivement, une posture caritative peut reposer sur des motivations carriéristes. Si, comme le souligne Jean-Paul, je repère que mettre sur mon CV mes lettres de noblesse caritative me vaut davantage de convocations pour des entretiens d'embauche, évidemment, je ne vais pas me gêner, je vais utiliser ça. Et là, on n'est plus dans l'altruisme, on est dans son masque, dans son simulacre. Ça ne met pas en question pour autant l'importance de l'altruisme et la réalité de l'altruisme et la possibilité, effectivement, qui est la plus fréquente chez les êtres humains, de faire le bien simplement parce que ça, c'est quelque chose qui prend naissance en eux, pas seulement pour éteindre la souffrance empathique. Évidemment, quand je fais le bien vis-à-vis de quelqu'un qui souffre, vous parliez de réparation, je crois, évidemment, comme ça calme la souffrance de l'autre, ça calme également la mienne, mais ça va bien au-delà de ça. Maintenant, moi, à titre personnel, ça me dérange un peu, mais pas tant que ça qu'il y ait des altruismes purs ou impurs. Bien sûr que je suis comme tout le monde, je préfère les altruismes purs, mais je préfère l'altruisme impur à l'égoïsme. Je préfère, au fond, que des grandes stars militent pour des belles causes, en se disant, bon, elles le font pourquoi ? Est-ce que c'est vraiment de l'altruisme ou est-ce que c'est autre chose ? Elles le font. Et ça, voilà, il y a des résultats sur le terrain. Donc, ça serait mon petit morceau de réponse. Mais je pense que Mathieu, je crois qu'il ne faut pas idéaliser l'altruisme pur comme étant quelque chose d'incroyablement lointain et éthéré. Je suis tout à fait d'accord avec Christophe. À partir du moment où votre motivation première est d'accomplir le bien d'autrui, c'est de l'altruisme pur. Ce que les gens souvent considèrent comme l'altruisme pur, il faudrait que ça vous coûte énormément, un sacrifice énorme, que vous en souffriez terriblement, surtout ça ne vous apporte rien en retour, ça serait de l'altruisme pur. Non, ça se peut qu'on vous manifeste de la gratitude, ça se peut que j'en ai pas. Ça se peut que vous sentiez bien, ça se peut que des gens qui sauvaient des personnes de persécutés ne se sentaient pas forcément bien tout de suite. Mais si la motivation du départ est vraiment de faire le bien de l'autre, c'est votre motif principal, ensuite, il peut se passer beaucoup de bonnes choses. Vous vous sentir bien, etc. etc. Donc, l'altruisme n'est pas remis en cause. Donc, voilà une chose. Alors, pour ce qui est de la détresse altruiste, c'était une des hypothèses qui a été tout de suite mise en avant, notamment à notre ami Daniel Batson qui a fait toutes ces expériences. On disait oui, mais les gens ils font ça pour soulager leur mauvaise conscience, enfin, non, leur détresse, ils ne supportent pas de voir les autres souffrir et c'est uniquement parce qu'ils ne supportent pas qu'ils font quelque chose, pas vraiment pour aider la personne. Bon, ça existe. Donc il a fait une expérience très simple, je vous le décris très brièvement. Il a fait deux groupes de personnes. Vous regardez au travers sur une télévision quelqu'un qui, on vous dit, c'est une étudiante dont les parents sont morts, elle se prête à ses expériences pour gagner un peu d'argent parce qu'elle a un frère sous les orphelins, donc elle a besoin d'argent, elle s'y prête. Et c'est une expérience sur les effets de la douleur et sur la mémoire. On ne vous dit pas ce que c'est. Donc on va lui envoyer un petit choc électrique qui est pénible mais pas vraiment dangereux. Et voilà. Et donc vous allez devoir voir ça 10 fois de suite.
Mais au bout de deux fois, si vous voulez, vous pouvez arrêter et vous en aller. Donc, on montre ça, et au bout de deux fois, on apprend que la personne qui reçoit, finalement, dit, vous savez, moi, quand j'étais petit, j'ai reçu une décharge électrique, je suis très sensible, en fait, ça me fait très mal. Alors, l'expérimentateur revient vers la personne et vous donne le choix. Écoutez, voilà, cette jeune étudiante, on étudie ses effets sur la mémoire, est-ce que vous voudrez, par exemple, changer avec elle, intervertir les rôles, elle devient observatrice, vous mettez à sa place. Et puis, il y a deux groupes, donc. Il y a ceux à qui on dit, vous pouvez sortir au bout de deux fois, et d'autres, vous devez regarder les dix de suite. Et on s'aperçoit qu'il y a deux groupes très distincts. Ceux qui ont une faible empathie pour la personne, mais une forte détresse empathique, et on peut l'évaluer avec des questionnaires. Ceux-là, si on leur donne le choix de partir, ils disent, moi, j'en ai assez, je préfère aller voir. Donc, loin des yeux, loin du cœur, ils en ont assez vu, ils s'en vont, et ils se sentent parfaits. Les autres, on leur dit, non, vous devez rester des 10 sessions. Et là, même ceux-là, ils prennent la place de l'autre simplement parce qu'ils ne supportent pas de voir ça. Hein? Chez les groupes, on a montré qu'ils avaient une forte empathie altruiste. C'est ceux-là qu'on leur donne le choix de s'en aller ou pas, ils changent avec l'autre personne. Donc là, ça a permis de distinguer qu'il y avait environ 40% des sujets qui, même si on leur donnait la possibilité de partir, ils restaient. Donc là, on peut se dire, on voit bien qu'il y en a qui ne font pas ça simplement pour soulager... D'accord. Leur détresse. C'est un peu compliqué, mais c'est pour vous donner le genre d'expérience qui a été faite. Il y en a une trentaine différentes pour éliminer toutes les possibilités d'explication purement altruistes, égoïstes, pardon. Merci. Monsieur. Allô. Oui, merci, monsieur André, monsieur Ricard et monsieur Delvoye. Monsieur André, monsieur Ricard, lorsque j'écoute et j'entends les études et les personnages que vous citez, j'ai l'impression finalement que l'altruisme est une préoccupation de société industrialisée. Qu'il y a déjà un certain niveau de confort. Vous citez des études et des personnages qui viennent essentiellement des États-Unis d'Amérique et d'Europe. Et je voudrais savoir si finalement l'altruisme n'était pas un luxe de société industrialisée. Merci. Moi, j'ai plutôt, franchement, le sentiment contraire. Puisqu'il y a cette épidémie du narcissisme qui ne porte pas précisément à l'empathie et que dans les sociétés plus, disons, plus simple, au contraire, cette coopération est beaucoup plus présente. Moi, je vois chez les nomades au Tibet, hein, il y a des groupes de familles qui vivent dans des tentes, etc. Quand une mère meurt en couche, tout de suite, les enfants sont pris en charge. La question ne se pose même pas. On ne va pas les mettre ailleurs, dans les orphelinats ou autre chose. Donc, il y a cette cohésion solidaire qui ne s'exprime pas par des ONG ou autre chose, mais qui est un fait. Autre chose... vous savez, on parle beaucoup des comportements des gens dans les catastrophes naturelles. On parle de panique, etc. Évidemment, les gens, ils parlent de panique un peu parce que c'est intense. Mais en fait, des études faites sur des centaines de catastrophes naturelles, on dit que le mot de panique devrait être éliminé du vocabulaire. Les gens sont généralement calmes, ils s'entraident, ils s'organisent, quelqu'un qui prend en charge des groupes, etc. Donc les images, ça a été... Le summum de ça, ça a été la couverture de l'ouragan Katrina à New Orleans. On ne voyait pas ce qui se passait. Il y avait quelques images de télévision et toute la presse américaine a dit il y a du pillage, des viols, des meurtres, etc. C'est horrible. À tel point que la gouverneure de New Orleans a envoyé 50 000 troupes, l'armée, en disant ces gens-là ont été formés en Irak, ils savent tuer, ils vont utiliser leurs armes. Donc ils ont perdu une semaine. Au lieu d'envoyer de l'aide, ils ont envoyé des troupes. Alors qu'en fait, il s'est révélé qu'il n'y avait pas eu un seul viol. Les gens allaient chercher de l'eau dans les supermarchés, c'est normal, il fallait bien qu'ils boivent de l'eau potable. Les gens s'étaient organisés dans le calme et les journaux ont même fait des excuses pour avoir colporté ces rumeurs. Donc en gros, si vous voyez dans les situations difficiles, dans les pays dans la précarité, on voit cette entraide qui se manifeste. Donc ce n'est pas du tout un luxe. Le luxe, c'est quand on veut mettre une bonne image qu'une entreprise veut montrer qu'elle fait des choses, etc., pour un peu ses soucis publicitaires. Mais en fait... c'est beaucoup plus dans la fibre des sociétés collectivistes ou communautaires, et ce n'est pas loin de là dans les pays nantis. Alors, moi, je peux vous répondre. Dans les sociétés africaines, le chef est celui qui n'avait rien. Parce que pour être chef, il fallait tout donner. Et la question que vous posez, c'est qu'effectivement, dans les sociétés où il y a le nécessaire, la quête du nécessaire, on est insatisfait parce qu'on n'arrive pas à nourrir sa famille, à la loger, etc. Mais c'est l'insatisfaction. Dans la société de consommation, on est arrivé à un point aujourd'hui qui était préoccupant, sur lequel les politiques se doivent de réfléchir, c'est-à-dire que l'homme vaut plus aujourd'hui pour ce qu'il dépense que ce qu'il pense.
Et quand on est dans la consommation, on est dans la satisfaction des avis, donc dans la frustration. Et donc, il y a une douleur de la frustration. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la perte de l'essentiel au profit du superflu est en train de créer des tensions sociales que probablement celles et ceux qui ont initié la société de consommation n'ont pas du tout intégré. Et je pense que l'altruisme, ce n'est pas le luxe des sociétés développées, c'est que c'est la perte de l'altruisme qui est le reflet, malheureusement, d'un dysfonctionnement de sociétés qui se disent développées, alors qu'en fin de compte, elles ont développé la richesse économique, mais elles ont appauvri le cœur des hommes. Mais ça, c'est un autre sujet. Et Jean-Paul, vous parliez des sociétés primitives, mais justement, les sociétés de chasseurs-cueilleurs, ils font un partage absolument égal de la cueillette et de la chasse, indépendamment de si c'est le meilleur chasseur qu'on a amené, double et tout. Il pèse au gramme près, c'est réparti de manière totalement égale. Madame, je vous en prie. Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci pour cette conférence. La question que j'avais, c'était, tout à l'heure, vous disiez, on peut entraîner notre cerveau à réguler nos émotions, notamment. Alors, j'imagine que cet entraînement passe par la force des choses, les choses de la vie qui arrivent. Également, j'imagine, par la méditation. Ces derniers temps, on parle beaucoup d'hypnose. Je voulais savoir le regard que vous portiez sur l'hypnose, notamment l'auto-hypnose pour ce genre d'entraînement. L'hypnose fait partie de toutes ces stratégies effectivement destinées à modifier notre état de fonctionnement habituel du cerveau. Après, tout dépend de l'hypnose. Vous savez, il y a tellement de façons différentes de pratiquer l'hypnose qu'il est difficile de généraliser, mais peut-être que la limite de l'hypnose par rapport à la méditation, par exemple, ou à d'autres formes d'entraînement de l'esprit, c'est que, en tout cas dans l'esprit de beaucoup de personnes, on dépend de l'hypnotiseur. On va voir quelqu'un qui va vous faire des séances d'hypnose et au fond, on espère qu'il y aura un effet déclic, que grâce à cette hypnose, on sera libéré de ses peurs, de ses démons intérieurs. C'était l'ancien modèle de la psychothérapie. On pensait qu'en cherchant les causes des problèmes, d'une manière ou d'une autre, la psychanalyse a commencé d'ailleurs par l'hypnose, en levant des barrages, des défenses, on résoudrait ensuite les problèmes qui découlaient de ces blocages. Il s'est avéré que c'était plus compliqué que ça et que très souvent, le changement psychologique ne provenait pas forcément du dévoilement d'un secret qu'on aurait refoulé, mais au fond, d'un lent apprentissage très régulier que parfois la vie peut nous apporter. La plupart des changements psychologiques ne se font pas dans les cabinets des psychothérapeutes, mais de par la vie qui nous ouvre les yeux, qui nous contraint à modifier nos façons d'être. Et donc on pense aujourd'hui que la plupart des changements psychologiques sont le fruit d'efforts assez réguliers. Alors, je ne voudrais pas en dire plus sur l'hypnose, dont je ne suis pas un praticien, et peut-être des praticiens de l'hypnose dans la salle qui certainement en parleraient mieux que moi. Bien sûr qu'il y a des points de convergence avec la méditation, mais effectivement, vous faisiez allusion à l'auto-hypnose. La méditation n'est pas quelque chose qui me rend dépendant d'un intervenant extérieur. Je vais apprendre la méditation avec un instructeur et puis, peu à peu, je vais pratiquer moi-même, un peu comme le sportif va courir lui-même. Il n'a pas toujours besoin que son coach ou son entraîneur soit à ses côtés. Et c'est dans ces conditions de pratique personnelle régulière qu'on peut espérer moduler peu à peu ses émotions sur un registre, effectivement, le registre d'un apprentissage. Lorsque nous apprenons à nos patients les techniques de méditation thérapeutique, celles dont un des objectifs est de les aider à prévenir les rechutes anxieuses ou dépressives, on va bien leur dire que le but de ce travail consiste l'apprentissage de la méditation, ça n'est pas seulement de faire le vide, de se couper du monde, etc. C'est aussi d'accueillir les émotions douloureuses et d'apprendre à y réagir différemment, à ne pas surréagir. C'est ça, en réalité, l'entraînement qui est proposé. Alors qu'on puisse l'atteindre par l'auto-hypnose, la relaxation de Schultz s'appelle auto-hypnose concentrative. Et là, effectivement, les gens s'administrent à eux-mêmes des modifications d'état de conscience à visée thérapeutique. Mais là, on sort peut-être strict de l'altruisme. Merci, Christophe. Il est malheureusement 22h, mais je vois qu'il y avait encore une ou deux questions qui étaient là-haut. Donc, attendez, je vois qu'il y avait une question que je vais donner. Monsieur. Et on va prendre les trois dernières questions. Une, deux et trois. Voilà.
Oui, je vous remercie. Évidemment, je m'associe aux remarques sur la qualité des interventions. J'ai une question pour Jean-Paul Delevoye. En vous écoutant donner des bons exemples sur des relations empathiques dans les villages ruraux ou en Afrique, je me demandais quelle relation vous faisiez entre le développement de la solidarité collective, la sécurité sociale, les crèches, etc., et finalement la diminution ou la perte de relations empathiques. Mais tout simplement, vous ne pensez pas qu'il y a un lien entre les deux. Mais la question politique qui n'est jamais abordée, jusqu'où faut-il pousser les solidarités publiques qui font reculer les solidarités privées ? Et que dans un problème de croissance faible, il faut que nous réfléchissions à la notion de résilience sociétale, c'est-à-dire passer d'un pacte de cohésion sociale à un pacte de vitalité sociale. Monsieur, attendez, oui, je ne sais plus, j'avais donné monsieur là, je crois. Hein. Attendez, je vous en prie. Ou madame, pardon, excusez-moi. Alors, vous attendez. Bonsoir. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage d'expériences et d'idées. Et justement, je voulais vous demander à vous trois, peut-être, si l'altruisme n'est-il pas plus à chercher, ou moins à chercher du côté de l'idéal et plus du côté de la profondeur de l'expérience, comme par exemple on peut l'apprendre avec Marshall Rosenberg, que vous devez connaître avec la CNV. Donc c'est dans sous les émotions qu'on peut trouver la rencontre de l'autre. N'est-il pas donc dans la profondeur que l'altruisme puisse se trouver ? D'accord. Merci. Christophe et Mathieu, je vous propose qu'on prenne les deux ou trois dernières questions, comme ça vous faites une réponse en ramassée. Alors, voilà. Allez-y, parce que je vais détailler. Alors, je crois que c'est vous qui aviez... Allez-y, madame, je vous en prie. Je ne pourrai pas tout prendre, malheureusement. J'espère que vous comprendrez que... Allez, se coucher. Si on veut respecter les horaires. Je vous en prie, madame. Je ne sais pas si on entend. Voilà. Bonsoir, merci pour ce partage ce soir. Moi, j'avais une question par rapport au système d'évaluation dans nos systèmes éducatifs. Les notations, voilà, j'étais curieuse d'avoir votre point de vue sur en quoi ça peut peut-être altérer la coopération entre les élèves, l'altruisme, etc. Parce qu'en tant qu'enseignant, je me pose vraiment la question de... En quoi le fait de noter les élèves, donc peut-être de les mettre en compétition, peut peut-être altérer voilà, la coopération au sein d'une classe, par exemple. D'accord. Surtout que généralement, ce sont les parents qui veulent savoir si leur enfant est supérieur à celui du voisin. Monsieur, je vous en prie, c'est la supériorité et la notion de relativité sociale. Alors, Entends. Monsieur, je vous en prie, allez-y. Oui, merci pour cette intervention. Bon, moi, je reçois cette... tout ce qui est dit sur le plan personnel, donc j'ai du boulot personnellement. ma question, c'était, est-ce que vous allez faire cette intervention à l'Assemblée nationale ? Je voterai pour le parti qui dira je suis à... Allez, on va peut-être aller encore s'éclater avec une ou deux questions. Madame, là, et puis après, on en prend une dernière, vous, et puis on arrête, voilà. Allez-y, soyez bref, et puis ensuite, on demandera à Christophe et à Mathieu de conclure, et on se retrouvera pour les dédicaces, et vous pourrez poursuivre le dialogue entre vous. Madame, je vous en prie. Vous trois, aujourd'hui, dans les cités, pas forcément à Marseille, hein, aujourd'hui en Île-de-France, même dans des petits villages privilégiés, dans le 77, la violence arrive, et je voulais savoir comment on pouvait introduire l'altruisme dans ces cités. D'accord. C'est une très bonne question parce que généralement, il n'y a plus de solidarité, plus de générosité que l'on pense dans les quartiers dits défavorisés, mais c'est une vraie question. Est-ce que l'on peut animer l'altruisme dans les quartiers ? Alors, je ne sais plus, il y avait un monsieur qui était là quelque part, non ? Est-ce qu'on n'avait pas quelqu'un qui avait levé le doigt ? Si. Attendez, pardon. Alors, ici, voilà. Je vous en prie. Je vous en prie. Et la dernière, parce que c'est quelqu'un de jeune, j'ai l'impression, non ? Hein, donc, c'est pour vous faire plaisir. Vous avez vu mon sens de l'altruisme quand même. Hein. Allez-y, monsieur. Oui. Merci, monsieur Delevoye. Vous avez parlé de la société numérique et où on parle de plus en plus et on s'écoute de moins en moins. C'est vrai que l'épidémie de narcissisme aux États-Unis, c'est dans un pays les plus technologiquement avancés. Est-ce que vous pensez que pour développer l'altruisme, il faudrait se débarrasser de tous nos iPads, nos smartphones et toutes ces choses dont on nous dit le plus grand mal en termes de communication autrui.
Non, moi je ne suis pas du tout opposé au progrès, je suis au contraire convaincu que ça peut être aussi un très bel outil pour connaître l'autre et mieux apprécier l'autre. D'ailleurs, c'est un souci sur lequel on évoquait avec Mathieu, c'est que je pense que la société numérique fait que l'on ne peut plus appartenir à quelque chose, on veut choisir son adhésion, etc., etc. Donc je crois que ça peut être un formidable lieu d'empathie, et madame qui évoquait cela, en vous écoutant Mathieu, j'avais une petite idée. Mais j'écoutais madame qui était enseignante, et aujourd'hui on a un débat sur l'aménagement du rythme scolaire. Et moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de dire que les élèves sont bons uniquement en français et en maths, peut-être qu'on pourrait profiter du sport, de la culture, et peut-être des leçons d'empathie et des leçons d'altruisme, que l'on pourrait profiter de cet aménagement du rythme scolaire pour permettre aux enfants, qui naturellement sont assez généreux entre eux, etc., etc. Allez, dernière question, mais monsieur... Et puis, c'est terminé. Et après, on ferme boutique et on répond. Madame, je vous en prie. Oui, ça va. Avant, pardon. Oui, je vous remercie. Je vais essayer d'être altruiste très vite. Je vous remercie de ce débat intéressant. Vous nous avez dit que l'altruisme était une clé du bonheur. C'est un constat certain. Ne pensez-vous pas que l'altruisme peut aussi être un frein au bonheur face à des conditions difficiles, des grandes souffrances pour lesquelles nous n'avons pas de solution, pas de réponse? Cela peut conduire aussi à des angoisses profondes et qui peuvent amener à un repli sur soi, une gestion de ses propres priorités. Et ça serait alors une des conséquences contradictoires avec la motivation première. Merci. Alors vous avez plein de questions. Christophe, vous allez commencer par vous, parce qu'en réalité, on peut aussi y mettre là-dessus qu'on est en... Quand on parle d'écologie, on ne parle pas de l'écologie de l'être, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire on ne peut pas être heureux dans un environnement malheureux, et les médias n'arrêtent pas de nous montrer un univers extrêmement malheureux. Donc est-ce que cette chape d'angoisse, de douleur, de souffrance permanente, peut-elle laisser encore la place à l'altruisme et au bonheur ? Alors, je ne pense... Enfin, bien sûr que la souffrance d'autrui, le malheur, tout ça, ça ajoute à notre douleur. Je ne pense pas que ça... puisse et que ça doive être un frein à notre altruisme. Bien sûr que lorsqu'on a des comportements altruistes, des comportements d'aide, on n'espère pas faire cesser toute la douleur du monde. On espère juste en faire cesser un petit bout à un moment donné chez quelques personnes. Et ce qu'on dit souvent, lorsqu'on a souvent des familles de patients, par exemple, qui viennent nous dire « mais je ne sais pas quoi faire, je me sens complètement impuissant », et à ce moment-là, la présence attentive, l'écoute, sont déjà quelque chose qui ne va peut-être pas résoudre le problème, mais qui va être un échange d'humanité important. Donc, l'autre point par rapport à votre question, c'est que je dis souvent qu'il ne faut pas confondre, être altruiste et être altriste. Le fait d'aider les autres n'a pas à nous rendre tristes, ou ça n'a pas à être le privilège des gens qui souffrent tellement qu'au fond ils se distraient en allant aider les autres. À un moment donné, on soupçonnait tous les bénévoles d'être mal dans leur peau et de tenter de résoudre le malheur des autres pour se soulager d'une espèce de prurite névrotique. Et au contraire, on voit que les grands altruistes sont des gens joyeux d'aider, pas forcément de solutionner, mais d'aider autrui. Après, peut-être la question sur l'altruisme et les quartiers, et les banlieues, et les cités. Moi, je pense que le problème ne se situe pas au niveau de l'altruisme, mais au niveau de ce que Mathieu soulignait, c'est tout un ensemble d'études de psychologie très mal connues en France sur l'appartenance au groupe, les in-group ou out-group. Et ça, c'est dramatique, puisqu'effectivement, se sentir faire partie d'un groupe délimité, borné, au deux sens du terme, avec ceux qui sont dans mon groupe et ceux qui sont à l'extérieur, c'est ça. La vraie bombe et le vrai danger qui n'appartient pas qu'au quartier et qu'aux cités. D'ailleurs, ça, c'est un problème dans tout un tas d'autres zones de la société, mais c'est plus explosif dans ces zones-là qu'ailleurs, beaucoup plus que ces questions d'altruisme, etc. Mais je vais laisser quelques réponses à mon cher Mathieu pour pas toutes les bombes. Pour ce qui est de la dernière question, effectivement, si la souffrance des autres est mesuré par l'impact qu'elle a sur vous, évidemment, plus il y en a, plus en détresse empathique. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer auparavant. Et Dalai Lama dit très souvent, imaginez un médecin sur un champ de bataille, s'il pleure et qu'il est à ce point dans un état de détresse à chaque fois qu'il voit un blessé, il ne va pas pouvoir continuer. Donc si
la souffrance de l'autre élicite, engendre en nous davantage d'amour et de compassion, il parle du courage de l'altruisme. Plus votre courage va augmenter. Si on est submergé par la souffrance de l'autre parce qu'à cause de l'effet qu'elle a sur nous, plus il y en a, plus notre courage va s'effondrer. Donc c'est aussi le fait que l'amour et la compassion, il y a une fatigue de l'empathie, mais il n'y a pas de fatigue de l'amour en gros. Pour ce qui est de l'éducation compétitive, c'est simplement un fait d'expérience. Tout d'abord, on ne peut pas tous être dans les 10 premiers, donc ça veut dire que les autres, ils ne sont pas. Donc, il y a une sorte de diminution de leur perception d'eux-mêmes, etc. On sait que dans les éducations ultra-compétitives, comme dans certains pays de l'Est, comme Hong Kong, en Corée, qu'il y a une très forte augmentation du suicide chez les très, très jeunes, 15, 16 ans, parce que s'ils ne sont pas dans les premiers, c'est l'échec total. Ils n'ont rien d'autre à penser. Leur famille, pour eux, il faut qu'ils soient dans les premiers. Et non, ça ne fonctionne pas. D'autre part, simplement, l'expérience montre que les résultats scolaires sont bien meilleurs. Le système qu'on a fait à Londres, on a éliminé les examens et les notations, ça marche beaucoup mieux. Et aussi, un autre facteur, bon, ça prendrait du temps de s'étendre là-dessus, l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire les relations humaines, sont un prédicteur beaucoup plus efficace dans la réussite de vie que le quotient intellectuel et la simple faculté de résoudre des problèmes, ce qui est généralement la façon dont on note les gens, c'est la faculté de résoudre des problèmes et d'engranger des informations. Donc on ne tient pas compte des qualités humaines, de l'épanouissement, de la qualité des relations humaines qui est beaucoup plus favorisée par l'apprentissage coopératif. Reviens juste sur les choses digitales, parce que tu avais posé la question et ça a été posé. Effectivement, Facebook peut être une fenêtre du narcissisme, parce que si vous avez 5000 amis, vous ne parlez pas à 5000 personnes, vous parlez de vous-même et uniquement de vous-même. Des études ont montré que 30 minutes passées sur, c'était MySpace, ça n'a pas été fait sur Facebook, et 30 minutes passées sur Google Maps, ceux qui ont passé sur à mettre à jour leur page MySpace avaient un quotient de narcissisme qui était considérablement augmenté. Donc c'est vrai. Ceci dit, il y a aussi, ça permet aussi le crowdfunding. Vous avez 150 personnes qui, en 3 jours, financent des toilettes pour filles dans une école du sud de l'Inde. Un tout outil peut être utilisé pour construire ou pour détruire. Hein. Il y a aussi le problème des jeux vidéo. C'est sûr que, quoi qu'on en dise, ce n'est pas une catharsis. Ça augmente l'agressivité dans le moment et dans les années à venir. En gros, si vous augmentez, vous passez de 1 heure à 2 heures à 3 heures, ça quadruple les troubles de personnalité 5 ans plus tard. Et le niveau d'agressivité, donc de faire de l'argent avec ce grand truc, ce grand theft auto, etc., c'est nuire à nos enfants. Tout ça pour faire de l'argent, c'est inadmissible. Je voudrais, vous avez raison, je voudrais vous remercier pour ce moment de partage. Je voudrais aussi remercier la totalité des services du Conseil économique, social et environnemental qui ont permis le confort matériel de cette soirée. Je vous rappelle donc que Christophe va pouvoir vous dédicacer à la sortie de cette salle, juste derrière. Christophe André, Se changer, changer le monde. Et Mathieu dédicacera aussi son livre pour plaidoyer pour l'altruisme. Merci de cette très belle soirée. Merci Mathieu, merci Christophe. Merci Jean-Pierre de votre invitation. Et on se retrouve.